Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Geek Morning, on est avec les copains. Salut! Hello. Salut! Alors, comment ça va? Alors, aujourd'hui, on est trois, mais il y a quelqu'un dans l'ombre. Je vais vous présenter hein, qui est là aujourd'hui. Comme d'habitude, vous avez Sandra la magnifique. C'est ça, c'est moi. Oui, c'est moi la magnifique. C'est moi. Donc, qui va nous parler jeux vidéo comme d'habitude. Et vous avez également Vince qui va faire sa rubrique high-tech. Salut, Bonjour salut. Vince, ça Oui, va? bonjour. Oui, ça va très bien, et toi? Ça va super. Il y a une petite voix dans l'ombre hein, qui n'a pas la caméra mais qui va parler d'un petit sujet. On reviendra sur Oui. ça en fin de rubrique de high-tech. Et donc, cette personne est Alex Fast. Bonjour. Bonjour, je suis la voix. Il est la voix. Ah, la voix, Pardon, la voix. excusez-moi. Donc vous ne le voyez pas, Bah, il va juste intervenir voilà. pour une news importante qui nous semblait importante, hein, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Alors ça fait un moment que que les gens le savent plus ou moins dans Ça l'ombre, trotte, oui. Ouais. mais disons que maintenant c'est plus ou moins officiel. Bah, Bah c'est officiel maintenant. ça C'est fait ça. juste 3 ans qu'ils en parlent à tous les gens avec qui ils y travaillent. Parce que Voilà, moi, je travaillais ouais. avec eux C'est avant. ça. Ça fait juste 3 ans qu'en gros, plus personne n'y croit. Et C'est très on y a rigolo. cru, on nous l'a fait croire, et au final, bah, on l'a eu quand même. Donc Voilà, voilà. voilà. Mieux Mais vaut tard bon. que jamais, hein. Mais Vous bon. allez voir la chronique, vous inquiétez pas. Ah, attention, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il Attention. faut savoir que les Français prennent leur temps. Je vais pas être langue de bois hein, là-dessus. Hein, je vous le dis direct. Oui, c'est pour ça qu'il est D'accord, là. ils Hein. ont peut-être. Voilà, je vous annonce un peu la couleur. Hein, Ouais, de. je vais vous parler un peu aussi de l'envers du décor de chez Dailymotion. Hein, parce qu'attention, c'est pas tout beau tout rose. C'est ça, Moi, je tiens exactement, juste à ouais. préciser une chose. Daft, tu as une veste de costard, à ce que je vois? Mais comme hier, hein. Mais comme tout le temps, mais Ah, comme mais j'ai pas hier, vu comme hier. avant-hier. J'ai pas fait Et attention, comme tout le temps, parce qu'il fera attention, tout le le temps mec comme dans ça le d'habitude. cuisinier. Maintenant prend du standing alors. Présentateur, tu vois, moi Voilà. j'ai un vieux t-shirt tout pourri, C'est ça. Il machin, fallait il y pas a le des dire ça, il trous. fallait pas le dire. Ah mais non, mais non, mais non, mais ne Non, non, t'inquiète mais pas, ne t'inquiète pas. en ce moment, Daft, depuis que Kitty s'est venue. C'est ça, ou depuis qu'il s'est coupé les Non. cheveux, tu vois. Non, ouais, c'est ce que Non, il j'allais y dire, avait j'allais dire. avant Non, mais aussi. remarque, Kitty vient, il se coupe Ouais, les c'est cheveux. vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Kitty vient, Non. il se met sa veste, il se met sa Je me suis veste. coupé les cheveux parce que c'était pas possible. J'arrivais même pas à me coiffer le matin. Mais qu'est-ce que Donc, tu veux te coiffer? on T'as pas de dirait. cheveux? Bah, si, bah, t'as pas vu mes On cheveux, aurait hein. dit T'as pas vu Cyril mes cheveux. Hanouna. Hein. On aurait dit Cyril Hanouna, quoi. Le seul truc, en fait, Ah. le seul problème avec mes cheveux, c'est que je peux pas avoir de coupe de cheveux comme Vince, par exemple. Moi, c'est soit c'est coupé, c'est-à-dire Ouais. rasé, soit c'est l'afro. J'ai deux choix. Ça marque mes Ah, choix. ouais, bah Donc, du coup, ben, je laisse pousser les cheveux, puis dès que ça me saoule, je rase, et après, ça recommence. Le cycle non, mais éternel. Vince, tu vois, il se Et prépare au moins 10 si minutes à vous l'avance voulez pour sa voir. petite mèche. Ouais, c'est vrai en plus. Si vous voulez voir Un Vince, milieu de pompe. enfin Daft en mode afro, votez 1 sur le chat. Exactement. Un, juste un. Allez, faites ça. Juste un, ouais. En tout cas, Juste un, voilà. ça commence bien. Il y a déjà des gens qui ont taunté un petit peu sur le chat. En tout cas, bonjour à tous, hein. On est comme d'habitude sur au gaming de 10h à midi avec les copains. On va Avec très parler jeux plaisir. vidéo, high-tech et puis news un petit peu en général. Donc là, on fait une petite intro, etc. Je regarde un petit peu ce qui se dit sur le chat. Jusqu'où un chauve se lave-t-il le visage? Ça, c'est C'est la des dernière de blagues, la donc semaine. non, on va. Voilà, voilà c'est la dernière de la semaine, donc on est tous un petit peu sur les rotules, mais c'est normal, hein. On va se réveiller doucement avec vous, parce que nous aussi, on se réveille avec vous. Il y a Apparemment, il y a 3-1 pas mal déjà. de gens qui veulent voir la coupe afro, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vous ne voulez pas voir Et cette chose. c'est la première et la dernière fois sur OGaming que vous êtes trois. Ouais, c'est la. Mais Exactement. là, en fait, on est techniquement pas 3, hein. Non mais je On veux dire, arrive toujours à. techniquement, c'est la. Bon, déjà, moi, c'est la dernière fois que je dois combler les trous. Et logiquement, à partir de la semaine prochaine, voilà, il y a un Alex aime nouveau combler contenu les qui trous arrive. apparemment. On vient de me dire ça dans Maître l'oreillette. Jedi nous dit, c'est dingue, j'ai que 2 heures de cours aujourd'hui et comme par hasard, c'est de 10h à midi. Ah, Ah, désolé pour Gareth. toi, tu Désolé, pourras. Gareth. J'ai envie de te dire, Twitch sur ton mobile. Ouais, C'est pas bon, grave, les en cours, c'est cours pas c'est pas important. terrible, hein. Non, allez à Non, l'école, allez à on va pas lui l'école. en vouloir, on va pas lui en vouloir. Gareth, On va pas vas-y, l'inciter va dans à. le mal, va dans le mal. Vas-y, fais, y a pas de souci. En tout cas, les amis, donc on va avoir pas mal de temps aujourd'hui pour discuter, puisqu'on est un peu moins nombreux que d'habitude. Et du coup, bah, on va avoir plus de temps pour débattre, parce que normalement, généralement, on est un petit peu poussé par le temps. Mais bon, encore une fois, C'est Alex, ça c'est vrai. la dernière fois aussi qu'on fait que 10h midi, c'est ça, hein? Exactement. Alors, c'est pas sûr à 100%, c'est une histoire. Alors, je vous explique rapidement, c'est juste une histoire de visuel, hein. Voilà, c'est juste parce que comme c'est marqué 10h midi, bon moi j'attends que le graphisme me refasse tous les visuels 10h 13h avec Ok. puis avec la caricature de notre nouveau chroniqueur aussi.
Et puis donc une nouvelle intro et tout ça. Ah ouais. Donc tout ça arrivera la semaine prochaine, donc ce sera après. Et il m'a dit je te promets rien, mais je vais le faire. Donc non, c'est logiquement quand il me dit ça, c'est que c'est bon. Et donc lundi, on passe sur du 10h-13h. Ok, voilà. Et parce qu'on était trop juste. Et puis ouais, comme ça, ça permettra à ceux qui terminent les cours ou le boulot à midi de manger avec nous de midi à 13h. Ça permettra, hein, voilà, des gens qui catchent l'émission à midi de pouvoir suivre quand même un petit bout d'émission, au moins une heure sur 3h, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Oui, et oui. Juste avant, juste avant que tu commences, Daft, je vais vite faire un petit coucou à Noah qui devait être avec nous ce matin. Ok, ouais. Et qui a un empêchement qui a un empêchement personnel, donc on fait un petit coucou à Noah et tu viens quand tu veux, il y a pas de souci. Hein. Oui, oui, parce qu'on commence à avoir des invités d'ailleurs. Pour ceux qui ont raté l'émission d'hier, il y avait Kitis, donc de Game One, qui était. C'était une très bonne émission, j'ai bien aimé, moi, c'était marrant. Ouais, moi aussi, puis surtout, elle est super cool, accessible. On pensait, tu vois, on peut se dire, ouais, elle travaille à la télé, etc. Ça peut, voilà. Mais non, pas du tout. C'était super sympa. Ouais, ouais, c'est pas. Elle a le melon quand même, elle veut pas prêter ses amis, bon, hein, donc c'est un peu le melon. Ouais, moi je lui ai dit, vas-y, parce que moi, celui que t'aimes pas, tu vois, genre Bowser, tu vois, personne l'aime. Elle m'a dit, non, je le donne pas. C'est pas vrai, ça. Et pour info, le amiibo qu'on a fait gagner hier, c'était Mario. Le monsieur a demandé Mario. D'accord, ah, cool. Ah, bien. Cool, cool. Mario original, Smash bien. Il m'a pas précisé, il m'a dit Mario. D'accord, ok. Bah, Mario normal, parce que les Mario Smash sont pas encore arrivés, Daft. Bah, si, c'était les premiers. Non, c'est l'inverse. C'était pas les premiers amiibo. Ah, voilà, oui, c'est l'inverse, pardon. Ah, moi j'aurais choisi le Mario Smash. Ouais, ouais, moi aussi, il est classe avec c'est l'espèce de boule de feu là, il fait comme ça. Ouais, voilà. C'est ça, bon. Donc c'est celui-là, voilà. Donc il a été commandé. Nice. Tu le recevras, si t'es là, tu le recevras à peu près aux alentours du 26, dans 10 jours apparemment. Super, bah voilà, un petit amiibo hein, qui a été lâché comme ça. On fera d'autres trucs comme ça hein, pour vous remercier d'être présent et de nous suivre tout au long de la semaine. La fidélité, exactement. Merci Vince. À tes souhaits, Sandra. Et je finis juste sur les infos, comme ça c'est fait. Et les VOD de ce qu'on m'a dit, elles arrivent demain. Voilà. Parfait. Ah, super. Exactement. Ça, on pourrait rattraper toute la semaine. Voilà. Ah bah non, j'allais pas rater ça, ma petite Kitou. Bah voilà, tu vois, il y a déjà des gens en fait qui ont regardé l'émission d'hier et puis voilà. Et d'ailleurs, si vous aviez l'occasion de prendre un amiibo, les copains, vous choisiriez lequel? Moi, de ceux que j'ai vus, parce que grâce à ça j'ai pu voir la transformation de Zelda. Shake. Shake, ouais. Shake, ouais. Elle est cool. Ouais. Il est stylé. Il est stylé. Ouais, il est stylé. Moi, j'ai pas vu d'amiibo Star Fox, mais s'il y en avait un. Si y en a un. Ah ben je l'ai pas vu. Ou si... Il est déjà sorti parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, hein, notamment sur Mario Kart. Après, tu sais, ils ont une espèce de chapeau Star Fox. Ah ben je prends celui-là alors, moi. Voilà. Parce que j'adore Star Fox, si j'ai pas vu. Je prendrais bien Harmony. Harmony. Il est dégueulasse. Non, j'aime bien. Harmony, c'est celui avec la petite étoile. Ouais. Non. C'est la princesse avec l'étoile. Elle vous nique à Super Smash Bros. Tu crois? Ah, c'est celui-là. Ah ouais, il est super. C'est la nouvelle. C'est la nouvelle princesse de chez Nintendo. Ouais, c'est moi ça. J'aime pas trop, bref. Ça fait très Reine des Neiges, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Reine des Neiges. C'est à peu près ça. En plus, elle a la même robe, tu sais, Elsa, je crois que c'est ça, Elsa. C'est ça. Elle a la même robe bleue de glace, super, c'est trop nul. Bref, les amis... premier sur les Disney. C'est ça, ouais, oui, bien sûr. On est incollable sur les Disney. Attends, les VHS. Alors que je me fais assaillir par le soleil depuis tout à l'heure, il faisait dégueulasse, mais là il a dit tiens, tu commences l'émission, bah fuck it. Oh bah en moi, plein c'est dans ta gueule. C'est pour ça que vous me voyez en mode un peu ombre et tout. Bon, en plus, mais regardez, parce qu'en fait elle arrive que sur ma tête, là il n'y a pas de soleil autour de moi. C'est juste focus sur ma gueule, spot. Quoi. Ça fait spot. Spot de lumière. En plus il est horrible. Ah oh là là, je vois plus vraiment plus rien. Bref, on va essayer de faire ça autrement, on va essayer d'attendre qu'il passe. Tu m'aurais pas dit ça, je t'aurais dit ton spot, il faut que tu le déplaces. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on va commencer l'émission doucement, mais sûrement. Ouais, non, mais il y a une super invention qui s'appelle les rideaux. Mais c'est ça, Alex. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de soleil jusqu'à maintenant. Il a commencé au moment où j'ai lancé le record. Quoi. Incroyable. D'accord. Bref, on du coup, Vince. Oui. Aujourd'hui, pas mal de news high-tech. Donc, on va commencer doucement, mais sûrement. Ouais. Hein, ouais. Allez, c'est parti. Rubrique high-tech. Alors... Alors, attends, il faut qu'on essaie de faire un petit jingle. C'était quoi que j'avais sorti la dernière fois? Non, ne le ressort pas, s'il te plaît. La chronique de Vince Tech. Voilà, c'était ça. C'est trop bien, c'est l'high-tech. Voilà, bref, allez hop, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'Apple. Ah, oh. D'Apple, pour une fois, même si je ne suis pas énormément pour. Mais en tous les cas, je vais parler d'Apple parce que là, c'est important. C'est concernant les nouveaux puces processeurs. Donc, en fait, ils vont remettre en place les puces ARM, enfin, en tout cas, les puces
qui sont créés par eux, en fait, tout simplement. Vous savez que sur les Mac, depuis à peu près 2007, il y a des processeurs Intel sur les Mac. Donc voilà, les mêmes processeurs qu'on retrouve sur les PC ou sur les Linux. Et là, en fait, ils vont recréer leur propre processeur pour leur machine portable, donc Mac portable apparemment, ça servira que pour ça. Et donc c'est les puces ARM. Donc les puces ARM, c'est déjà ce qu'on retrouve sur les iPhones et les iPads. Et là, en fait, on va le retrouver sur la gamme des Mac, tout simplement. D'accord, ok. Alors, bien sûr, c'est qu'une rumeur, on va dire, puisque Apple ne fait pas d'annonce comme ça. Mais en tous les cas, apparemment, c'est des rumeurs qui sont plutôt sûres. Et ça commencerait à se commercialiser en 2016, début 2016, enfin, pour les sorties de nouveaux Mac, on va dire. Alors, je pense que cette transition, en fait, est un peu logique sur le fait qu'ils veulent garder un peu leur structure, enfin leur propre architecture, on va dire. Même si, bien sûr, si on change de processeur, du coup, on aura comme le problème qu'on avait sur les iMac G5, G4, etc., sur les vieux iMac hein, de 2000, on ne pourra pas installer directement en brut. Windows, le système d'exploitation Windows sur le Mac directement. Puisque c'est pas des processeurs Intel, donc c'est pas compatible avec Windows, etc. etc. D'accord. Donc là, normalement, on pourra plus faire ça, sauf s'il y a un partenariat, etc. C'est pas encore sûr, mais en tous les cas, moi je sais que sur les vieux iMac, c'était comme ça, on pouvait pas installer en brut Windows. Donc voilà, on suppose que ça sera comme ça. Voilà, donc ça permettrait en fait à Apple de dire que ça change, enfin que c'est pas les mêmes machines que les PC, donc ça pourrait faire aussi ça détacherait un peu Tu veux dire qu'ils ce aient vraiment fait leur que indépendance, ouais c'est ça architecture, c'est-à-dire vous faites ça, mais nous on fait ça, et puis on voilà produit de A à Z notre machine, quoi. Il y a, c'est pas enfin, disons faux qu'il y a rien, il y a pas besoin d'avoir un composant extérieur à la fabrication Apple. c'est ça Ouais, ok. voilà. C'est ça, et c'est ce qu'ils veulent le plus possible. Alors, bien sûr, ces processeurs-là, comme les processeurs d'iPhone, sont aussi créés, enfin coproduits avec Samsung, en loose. Voilà, mais voilà, c'est leur Bien entendu, de toute processeur, façon, Apple et Samsung sont très très Oui, liés sur pas mal de oui. ça fait choses. bien rigoler, ça, oui. Ouais, ils se foutent sur la gueule à longueur d'année. À longueur d'année, ils sont au Ils tribunal l'un coproduisent des contre choses, oui. l'autre. Mais la plupart Mais du ils temps, ils travaillent ensemble. coproduisent, voilà, ils coproduisent des choses. Ça. Bah écoute, hein, c'est bonne guerre, on va dire, hein. Et puis ça fait Ouais, spectacle, bon. grand public, hein. Ah là là, Mais tu nous de as toute volé façon, ça. Ça fait jaser, hein, comme à chaque fois, hein, de toute façon, ça fait mais parler, de et voilà. toute façon, j'ai pas de doute qu'on aura des génies de l'informatique qui nous trouveront une petite parade pour installer un Windows Bah non, ou un mais ça truc comme existe encore, ça. la parade, hein. La parade, c'est la machine Alors, virtuelle, hein. ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement. T'as tout à fait raison, Daft. C'est vrai que sur les iMac, sur les vieux iMac, tu pouvais en fait faire une machine virtuelle Ouais. Windows avec un processeur Mac qui s'appelait Ouais, mais PowerPC. le problème, c'est que derrière, en gros, tu sais, t'as ton OS, enfin ton Mac OS qui tourne, et en gros, par-dessus, tu refous un autre Je OS suis qui d'accord. fait que tu divises ta puissance par deux, quoi. Effectivement, ouais. Tu divises ta puissance par deux. Après, c'est vrai que les ordis sont de plus en plus puissants, donc bon, Après, c'est. Mac, de toute façon, si, clairement, hein, moi je le dis parce que ça me fait un peu rire tous ceux qui achètent des Mac et qui. J'achète un Mac pour avoir un Mac. J'ai plein de copains qui font ça. Et je me fous, ça me fait bien rire. Mais si vous voulez jouer aux jeux vidéo, n'achetez pas Mac, quoi. Clairement, Ah moi j'ai non, une non, copine bien pour sûr, vous dire, clairement. on a fait une partie de LOL la dernière fois et apparemment c'est un problème récurrent. Tout simplement, elle ne pouvait pas cliquer. Ouais, d'accord. Oui, et bah tu sais que Pourtant, ça m'est déjà arrivé elle sur un avait Mac pour ça. le. Ça m'est déjà Pourtant, arrivé, elle ça. avait le launcher Mac, hein, parce qu'apparemment, il y a une version Oui, Mac alors oui, sur je sais pas. il y a un launcher Mac depuis Et 2 ans maintenant, et en fait, il est toujours en bêta. Ils sont toujours en bêta parce qu'ils n'arrivent pas à faire une version finale de ce launcher-là. Donc, ouais, ou ouais. tout simplement, ils ont pas envie de se faire chier, quoi, Oui, donc. aussi. Donc voilà, Apple qui essaie de revenir un petit peu à ses débuts, de reprendre son Ouais, c'est indépendance ça. totale, de faire un espèce Exactement. de bac, genre, Ouais. ouais, on aime bien que vous utilisiez Apple, mais on n'aime pas que vous soyez obligé d'installer un Windows dessus, donc on va tout faire pour que vous restiez dans la sphère Apple et C'est ça. qu'on arrive à un petit peu exclure un peu tout le monde
et de pouvoir dire que ça change en fait, que ça voilà, oui, ce oui, que c'est différent. Ouais, voilà, c'est, ah, que c'est surtout et... plus que ça, je pense que c'est surtout une raison de enfin, ils ont surtout envie d'avoir le contrôle complet sur leur truc. Ouais, c'est ça. Hein, et Mac ça a toujours été ça, hein, c'est t'achètes un iPhone, ok, derrière faut que t'achètes l'iPad, derrière faut que ouais, t'achètes l'Apple TV, faut que t'achètes l'iMac, comme ça tout est rétrocompatible entre l'un c'est et l'autre. Pour mais c'est pour ça que j'ai un souci avec Mac. Hein. C'est ça, c'est exactement ça, Alex. C'est la sphère Apple, tu sais. Hein. T'es vraiment. T'es dans une sphère et tu dois prendre. Tu manges Apple, tu chies Apple, tu. T'es obligé de tout avoir Apple et Apple ça coûte cher, hein. Merde, une sacrée pomme. Ah, voilà, bah, clairement, hein. Je suis d'accord. Mon MacBook Pro coûte 1500€. Il y a une petite anecdote hier, je devais acheter un PC pour ma mère et on s'en va faire le magasin. La pauvre, elle se trompe de rayon, elle se retrouve dans le rayon Mac, elle fait bah dis donc, ça a vachement augmenté. Ah non, ah bah bien sûr. Non, c'est Mac, c'est normal. 999€ le premier prix, ok. Bon, on va aller ailleurs. Hein. Ouais, hein, faut aller ailleurs. Ouais, non, Mac, c'est trop cher. Enfin, Apple, du moins, c'est trop cher. Dans ah tout, oui, mais je suis. Tout, tous les je domaines. Suis d'accord. C'est pas possible, moi c'est pour ça que j'ai un souci avec Apple, ouais, je peux pas, il m'énerve. Dans presque tous les domaines, le seul peut-être qui reste enfin dans le domaine c'est peut-être iPad qui reste pas mal dans la gamme de prix avec les autres tablettes. Ouais, tu veux dire. Mais en tout cas Mac. Voilà. Mais en tout cas Mac parce que les premières de gamme ils commencent à 300€ pour l'iPad mini, après c'est du 400€ pour l'iPad ouais, Air. Mais regarde, tu prends, moi j'ai acheté la tablette Asus qui est j'ai payé 299€. Ouais. C'est le haut de gamme de chez Asus et ça marche d'enfer. Et ouais, c'est vrai qu'Asus ils sont donc, pas en très gros, si je compare en gros, je prends à 300€ le premier iPad. Ben, j'ai une qualité dégueulasse alors que pour 299€ j'ai un d'accord c'est de l'Android mais par contre c'est dégueulasse c'est quand même pas pareil mais bon je vais pas défendre non mais quand je dis qualité dégueulasse je dis juste comparativement tu vois qu'on ouais, ouais. Autre... Oui, tu parles mais okay. Mais par contre c'est vrai qu'à Apple ce qui est bien c'est que si t'es vraiment à full Apple ben faut être un pro Apple, tu peux pas être full Apple. Moi je peux pas être full Apple par exemple parce que j'ai plein de fonctionnalités que t'as des gens en fait. Full Apple, hein. Oui, il y a des gens qui sont full Apple. J'en connais qui sont full Apple et j'en connais aussi qui adorent Apple pour cette espèce de réactivité non bug, c'est-à-dire que les mecs ils installent leur Apple et puis en fait ils branchent tout et tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'aiment pas voir des problèmes de compatibilité, des problèmes de connectivité et ils achètent tout Apple pour que ce soit facile. C'est la facilité. Du coup, en fait, tu payes plus cher pour avoir de la facilité. C'est un peu ça l'argument. Aucun intérêt. Alors, c'est l'argument numéro 1. Si, c'est l'argument numéro 1 de chez Apple. Je suis d'accord qu'il y a une facilité. Par contre, qu'il n'y ait pas de bugs, etc. Moi, j'ai beaucoup plus de bugs sur mon MacBook Pro. De bugs de freeze, etc. Et pourtant, il m'a coûté cher et j'ai pas acheté il y a 4 ans. Que sur mon PC. Hein. Et tous les PC, hein, que ce soit. Voilà. Donc, il y a justement là, je voulais en parler. Hein, c'était parce que moi aussi, hein, on a fait l'acquisition d'un Apple, un MacBook Pro. Et en fait, on avait des problèmes, vous savez, pour connecter une imprimante en Wi-Fi avec Windows, il fallait installer des logiciels, etc. parce que c'était pas reconnu correctement. Et là, on a pris donc le MacBook Pro, et comme le dit Cheyenne, exactement pareil. Exactement, donc ouais. En fait, elle est arrivée, elle a posé le PC, elle a fait cliquer, l'imprimante c'est a été vrai. Reconnue, point barre, ouais, terminé. C'est vrai, c'est vrai. Et là, c'est en vrai, deux secondes, c'est fini. Alors, tu fais. C'est vrai. C'est mais vrai. Bon, tu payes ça à 1500 balles, totalement... quoi. Grave. Je suis pas totalement d'accord. C'est juste que sur Windows. Il y a un petit truc à faire, c'est au lieu de connecter votre PC directement à l'imprimante, parce qu'en général les imprimantes maintenant sont Wi-Fi, je parle des imprimantes Wi-Fi, votre imprimante Wi-Fi, vous la configurez pour qu'elle soit connectée à votre box et non pas à votre PC. Et en fait, une fois qu'elle est connectée à votre box, ça marche tout seul. Après, il faut juste dire quand vous imprimez, bah il faut aller chercher. Il y a plusieurs choses avec ça. Il y a plusieurs choses qui sont différentes avec le PC que je trouve ça vraiment bien sur Mac. C'est déjà la gestion, par exemple pour moi qui est graphiste, la gestion des polices. Il y a énormément de polices sur Mac et qui sont beaucoup plus belles que sur PC avec la gestion, etc., avec un logiciel particulier, etc. Les drivers pour l'imprimante, effectivement, je trouve que ça va beaucoup plus vite, etc. Ça, c'est vrai. Voilà, et après tout ce qui est disque dur, gestion de disque dur, etc., je trouve ça mieux fait.
Mais voilà, mais après. Graphique, pour les, pour le, vraiment, vraiment, moi, pour moi, en tant que. Bah, voilà, c'est mon métier. Mais professionnellement parlant, pour faire du graphisme, montage vidéo, etc., le top, c'est Apple. Vraiment, le Apple, c'est le top. Parce que les meilleurs logiciels sont sur Apple. Ouais, je suis d'accord, parce qu'il a fait un code pro quand même, qui est très, très bien. Apple, en fait, professionnellement, ils sont top, top qualité, hein, faut le dire. Mais après, si tu veux un Apple pour. Je sais pas, moi j'ai un Sony juste pour du traitement de texte, Skype, Twitter, les trucs comme ça. Ça ne sert absolument à rien d'avoir pourtant, un Apple. Ça, hein. Oui, oui, non, mais ouais, attends, mais attends, tu te rends compte, t'achètes un Apple pour aller sur Twitter. Ouais, mais fais-toi ma gueule, mec, sérieux. Juste attends deux petites secondes là, parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui débarquent, pour savoir, ils savent pas trop de quoi on parle. En fait, à la base, on parlait des puces donc ARM de la part de. Enfin, Apple envisagerait de. Mettre sur ses Mac les puces ARM en fait, du coup pour revenir un petit peu à ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire l'exclusivité et Apple, ça veut dire que tous leurs composants sont plus ou moins Apple. Et là du coup maintenant on commence à partir dans un espèce de débat, savoir pourquoi les gens choisissent Apple ou pas. Donc voilà, on est un petit peu en train de dériver, mais voilà. Donc si vous arrivez et que vous chopez si vous arrivez et que vous chopez le train en marche, et bien voilà, c'est juste qu'en gros on est en train de parler de Apple. En gros, voilà, on est en train de parler d'Apple en général, voilà. Venez débattre. Voilà, mais après, voilà, après, moi je comprends tout à fait. C'est vrai que le système. D'ailleurs, enfin, il y a une dérive. Il y a eu un film qui est sorti cette année, enfin en 2014, par rapport aux dérives de l'Apple Cloud, qui s'appelle Sex Tape, avec l'acteur qui joue dans Ao Mikiro. Oui, je vois. Et si vous avez l'occasion, c'est rigolo parce que justement, c'est le principe qu'ils font une vidéo un peu coquine et que le problème, c'est que le monsieur oublie qu'il y a l'iCloud et comme à chaque anniversaire, etc., ou coquesse, ils savent pas quoi offrir à leurs copains ou à leur famille, ils leur achètent des iPads. Ce qui fait que le problème, c'est que tous les iPads sont connectés et que la sextape, elle part sur tous les iPads de leur famille et leurs amis. En parlant de ça, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà fait faire une sextape. Voilà, vite. En France, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de partager. Je paye 1000 euros pour celui qui trouve la sextape de Vince. Hein. Ah ouais, allez-y, hashtag sextape Vince. Ah, franchement, on veut voir ce qui se passe. Je veux voir, moi, absolument. Hein. Non, personne, je veux même pas la voir. Non, moi, je veux pas la voir. Je veux pas voir à quoi ça ressemble. Est-ce que t'as vraiment envie de voir les fesses de Vince bouger comme ça là? Moi, ça me plaît pas trop, moi. Je veux parler ou en fait, non, mais cherche pas, Amine, c'est bon, t'es foutu. Non, ce qui s'est passé en vrai, c'est qu'en fait, j'ai partagé mon compte avec mes potes pour quelques jeux sur iOS. Et du coup, en fait, toutes les photos que j'avais faites dans une soirée, c'est synchronisé sur tous les comptes, tous les iPhones des personnes que j'avais partagé mon compte. Et du coup, bah ouais, c'est ça. C'est que, bah du coup, si tu partages ton compte, et ben. T'es niqué quoi, enfin tu. Enfin, y a une... Et donc, ah bah là, t'es niqué, oui. Tout vu avec la coupe de Justin Bieber. Ah bah oui. C'est ça. Exactement ça. Parce qu'il y a des photos dossiers qui tournent, si vous voulez, je vous les ferai ça, c'est 4. Non, non. Vince en mode Justin Bieber, ça vaut le coup. Exactement. Bon, Apple, ok, donc les puces ARM, on va passer à la prochaine news, si tu veux bien, Vince. On en reviendra un petit peu, voilà, si vous voulez continuer. On va parler de Alienware Aera 51. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Très différent. On passe sur du PC, du gros PC, du gros PC à la Alienware. Alors, on va attends, pas. Attends, redis. Alienware. Le George Clooney de l'high-tech, what else? C'est ça, what else? Bon, j'ai vu ça à la Paris Games Week. Bon, je suis pas allé à la Paris Games Week, mais j'ai quand même vu ça à la Paris. Sacrilège, tu n'es pas allé. Non, je suis pas allé pour des raisons. Bon, bref, plus personnelles. Bon, bref, on va voir ça. Donc, du coup, c'est l'Aera 51. Alors, je voulais présenter ce PC parce que je trouve que le design est. Non, il est moche. Non, on n'est pas d'accord. Chut. Non, c'est sympa. Je trouve c'est que sympa. Le design et la structure est ça, très original. Ça, c'est un PC, ça. Fait. Oui, c'est un PC. C'est très bien. Vous savez ce que ça fait penser? Ça fait penser au siège en forme d'œuf dans Man in Black. Ok, parfait. Et bah écoute, moi, ça me faisait penser à un œuf de Jurassic Park, tu vois. Ouais, mais les mecs, vous avez des références, c'est horrible. Ouais, j'avoue. Un œuf, bon, ouais. Ok. Bon, en tout cas, pour tout ce qui est ventilation, etc., c'est très très bien fait cette forme. Hein. Mais bon, j'en reparlerai. Donc, du coup, on trouve sur ce PC des performances de monstres. Merci, Koska. Puisqu'on a un SLI avec. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a un SLI avec des Radeon R9, il y a un SLI avec des Titans.
et un SLI avec des GTX. SLI GTX. Avec des Titans Z. Mais what ouais. the fuck. En gros rien que les deux cartes graphiques, il y en a pour 2000€ quoi. Voilà, non, allez mais ouais. Non mais il coûte au moins, il coûte la blinde hein, ce PC. Il coûte au moins aussi cher que la télé 4K qu'il a présenté Vince le coup hein. Non mais non, si tu prends un SLI déjà de 980 c'est pour voir les prix. Je t'ai mis sur le site officiel pour voir les prix, tu vois. Les prix des différentes versions sur le site officiel. Donc voilà, il y a plusieurs cartes graphiques qui sont proposées. Ça dépend de la version que vous prenez, tout simplement. Il y a aussi, donc apparemment, il n'y a pas d'SSD. Enfin, il n'y a pas d'SSD. Il y a une vidéo, est-ce qu'on la montre ou pas? Oui, ah oui, justement. Tu fais bien de me le dire. Pas de SSD dans un PC comme alors, ça. Bon, je mets pas la musique. Vous pouvez prendre pas d'SSD. Enfin, vous pouvez prendre sans SSD ou vous pouvez prendre avec SSD. Pardon. Ça dépend. Il y a un processeur Intel Core i7 5960X. Ah, ouais, c'est les nouveaux Intel là. Alors, c'est les nouveaux Intel. C'est pour vous dire que. C'est un truc de malade. En fait, en gros, là, vous avez 8 cœurs. C'est celui qui a 8 cœurs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est celui qui a 8 cœurs. 16 cœurs et 16 cœurs en, je sais plus comment on appelle ça, threadé, là. En théorique ça en, je sais plus je sais plus le nom, bref, en tout cas c'est 8 cœurs logiques, c'est trop bien. 8 cœurs, vous pouvez faire tourner plusieurs, en fait vous pouvez dire que 2 cœurs, enfin vous pouvez mettre 2 cœurs pour un logiciel, enfin bon bref, 8 cœurs c'est génial. Moi j'ai que 4 cœurs logiques par exemple. C'est déjà bien 4 cœurs logiques, hein, mais là on arrive à des 8 cœurs logiques, ça commence ouais. à vraiment faire mal. Par contre, le processeur il est à 1000€. Hein. Non, je crois qu'il est à 700€ ou 500€. 800€, voilà. Ouais, voilà. Cher, tout ça, hein. Ah, encore à 800€. Non, mais 800€, ça va. Non, franchement, si tu fais le comparatif 800€ pour un truc qui vient de sortir, ça va, c'est raisonnable. Hyper Trading, merci à Barba qui nous dit, qui t'apprend ton métier, Vince. D'accord. Donc on va embaucher Barba Truc et on va. Parce que tu savais pas le terme. Donc ah oui, parce que je sais pas quoi, c'est chiant. Donc on va t'appeler c'est Barba Truc. C'est le hyper trading. C'est le hyper trading. Ouais. Non, c'est pas. C'est... Ah oui. Si, c'est ça. si, c'est ça. Non, c'est non, pas ça. Merde, c'est ma chronique. Tais-toi. J'aime pas. Ouais, non, mais. Hyper logique, c'est ça marche aussi. Bon bref, écoutez si vous voulez. Donc après il y a aussi donc 16 Go de RAM. Vous pouvez augmenter aussi hein, parce que toutes les versions. 16 Go, c'est enfin, ça se fait déjà ça. Oui, mais oui. Je pense que tu peux monter à 32 non. Et par contre, si je me souviens bien, c'est en DDR4. Voilà. 16 Go en DDR4. Puisqu'il y a les nouvelles cartes mères. Bah oui, mais, parce que mais normal puisque le nouveau pros fonctionne avec. Et bah justement, ouais, avec un nouveau socket donc. On est d'accord. Voilà, bon, PC Express, ça y est, pas de souci de préciser. T'as vu que sur le côté, la plaque, elle est pas vissée, c'est aimanté. Oui, effectivement, j'allais en parler, mais... C'est con, mais c'est vachement bien, parce que quand t'as un truc dans ton PC, c'est toujours relou d'enlever les vis, parce que t'en perds toujours au moins c'est une chiant. Ou deux. C'est chiant. Et en fait, là, ce qui est... Alors, là, vous voyez la version, en fait, il y a trois cartes graphiques aussi, parce que vous pouvez avoir une version de 3K graphique aussi, c'est un truc de fou. Hein. Pour ça, je dis pas exactement la configuration parce qu'il y a vraiment beaucoup de configurations pour ce PC. Ouais, et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer vous-même, forcément, c'est un PC fixe. Par contre, c'est vrai que la structure du PC est un peu bizarre, donc du coup, c'est pas un PC fixe normal, donc il faudra. Mais c'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment des hipsters, les mecs Alienware. Ils essaient toujours de faire quelque chose de. Moi, voilà, j'aime bien, moi, là. Pour, ouais, ils essaient de sortir un petit peu. Moi, j'aime bien la forme. Ouais, moi pas aussi, du tout. Bien. Alors là, vraiment, je trouve ça horrible, quoi. Bah, ils ont voilà. fait un petit peu du lot, quoi. Voilà, moi j'aime bien, ça fait sympa. Non, moi je trouve ça vachement bien. C'est joli. C'est joli. Ouais, c'est joli. C'est joli. Et, bon, et juste comme ça. Ils ont quand même mis 3,980 à l'intérieur, hein, les Le prix minimum et le prix maximum, c'est. Vas-y, vite, c'est vrai, balancer parce que je n'ai pas le lien. Ouais. Ouais, bah je vais regarder ça vite fait. De toute façon, quand tu sais que t'as un pros à 800€, que t'as 3,980, donc les 980 elles commencent à 500€, pour les moins chères elles doivent être à 450. Donc là déjà tu commences à 1599€. Ouais, déjà tu. 1500, mais attends, voilà. 1500 t'as quoi dedans? Alors, à 1500 t'as le i7 que j'ai dit. Par ouais. contre, t'as que l'AMD R9, ouais, 2 Go de mémoire, voilà, j'ai DDR5, ouais. Et t'as 8 Go de mémoire en DDR3. D'accord, enfin, okay. Voilà. T'as... C'est la DDR, c'est parce que c'est la DDR3, ok, d'accord. Ouais. Faut savoir que la DDR4 coûte extrêmement cher.
Mais extrêmement cher. Bon, après, en termes de puissance, ça va. Ah non, je te dis une connerie. Ça va. 8 Go de DDR4. Ah, d'accord, ok. Quand même. 8 Go. Donc, c'est, ça... en fait, c'est cool. Attends, 8 Go de DDR4, cool. T'as les R9 en SLI ou pas? Ou t'as juste une R9? Non, t'as qu'une R9. Attends. D'accord, ok. Ouais, non, je trouve que le prix en fait est pas si cher que ça. Ah, ça va, 1500. Pour le dernier i7, pour la dernière carte mère, etc. C'est 1500, mais attends, c'est 1500, mais t'as que la R9 de giga. Hein, donc, ouais, mais derrière, derrière, et puis derrière, tu te dis que ton PC, tu peux le faire évoluer pendant 5-6 ans sans aucun problème, quoi. Moi, j'aime pas. Et la dernière version, c'est 3600, enfin même 4000, vous pouvez aller. Oui, les options. Et là, vous avez 16 gigas de mémoire. 4000 en DDR4. Vous avez donc du SLI en 770, mais vous pouvez le mettre en 980. Vous pouvez mettre 3. En fait, le top, c'est 3 SLI en 980. Bah oui, c'est le top, voilà. Hein, mais bon, déjà rien que alors, ça, t'en as pour 1500 euros. Alors, je présume que, alors, parce qu'il y a un mec là sur le chat qui dit 1599 € jusqu'à 3599 €. Je présume que c'est des versions vendues sans OS. Hein. Non, ça m'étonne. Non, c'est pas vendu sans OS parce que Alienware ils font jamais ça. Donc là, c'est vendu avec OS. Et c'est vendu avec Windows 8.1. Bon, bah ça va alors. Ils te disent par contre, il n'y a pas de SSD dedans. Tu peux aller te faire mettre. Ouais, c'est ce que j'ai dit un peu, mais tu peux le rajouter. Hein. D'accord. Okay. Bah, sur la version à 3599 €, ils auraient pu mettre un SSD quoi. Et bah en fait, c'est 64 Go. Alors en fait, dans la version 1599 €, tu l'as pas automatiquement, il faut juste l'ajouter et ça te coûte sûrement 100 €, 200 € de plus quoi. Après, moi, sincèrement, je le rajoute avec ma main. Enfin. Avec ma main. Avec ta main. Il y a. tu l'as dit ça, Vince, tu l'as dit qu'il y avait du refroidissement à l'eau? Bah justement, je voulais en parler. Alors, effectivement, il y a du refroidissement. Water cooling, waterproof. Donc, ce PC est waterproof. Ce PC est waterproof. C'est du waterproof. Et de toute manière, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont mis ça. Enfin, c'est très original comme. En plus, parce que, en fait, les ventilos, en fait, ça fait. Enfin, il y a des ventilos aussi qui font. Je sais pas comment expliquer. En gros, ça fait de haut en bas. Ça permet une meilleure ventilation, etc. Alors, t'as Ivenlot sur le chat qui dit que si Alienware, on peut choisir sans OS ou un Linux. Ok, oui, tu peux peut-être choisir, mais en tout cas, automatiquement, tu l'as. Pas après. Et t'as Shoham qui nous dit c'est vrai que pour le prix, il pourrait mettre un SSD. Oui, attends, pour 4000 €, tu mets un petit SSD quand même, hein, tu détends les gens. Hein, alors, attends. Alors, pour 4000 €, oui, t'as un SSD, hein, 256 Go. Ouais. Hein. Voilà, d'accord. Sur la version à 3000. Ah oui, pour 4000 €, faut mieux. Mais par contre, pour celle à 1599 €, tu n'en as pas et t'as que 2 Tera. Enfin, que 2 Tera, c'est pas mal quand même, mais 2 Tera en mécanique. Donc voilà. Bah, vraiment, le seul avantage que je vois clairement à cette configuration, c'est que tu pars directement sur les nouveaux sockets et pros et cartes mère. Donc, du coup, en termes d'évolution, là, t'es vraiment tranquille. Ouais, t'as une bonne base quoi. Bah, disons t'as que t'as une très bonne base. Et moi, j'ai failli prendre à peu près le, même truc. Failli, pardon. le même truc, mais voilà, ça coûte très cher. Et c'est vrai que, au final, moi, quand j'avais fait ma config avec les nouvelles configurations comme ça, j'étais plus cher en fait. J'étais plus cher que ça, presque. Ouais, j'étais plus cher. Ouais, mais après, ils ont des Alienware, t'inquiète pas pour eux, qu'ils ont des négociations avec Nvidia, des choses comme ça. Donc, J'étais à peu près à 1700 €, hein, si je me souviens bien. Après, j'avais pris une meilleure carte graphique, je pense. Mais, Ouais, puis t'avais déjà un SSD de base, t'avais mis un SSD de base, etc. Donc si tu rajoutes le SSD, tu rajoutes un SSD quoi, même un petit SSD, c'est 100 €. 200 gigas à peu près. Ouais bah déjà un SSD de 200 gigas, t'en as pour combien? C'est 200-300 €. Non, si tu peux regarder sur des sites, t'es à peu près à 100-120 € maintenant. Ouais, ils commencent vraiment à réduire les. Moi je suis d'accord avec Elgroom, hein, tu as moyen de te faire la même config plus ou moins, mais vu que c'est pas Alienware, il y a moyen que tu payes pas du coup l'espèce de d'ovni là qu'ils ont fait. Il y a moyen que tu chopes un PC un peu moins cher pour autant de puissance. Hein. Moi j'aime bien la. Peut-être. Alors oui peut-être, mais est-ce que tu auras le water cooling? Oui, tu peux le mettre en place le water cooling. Mais après il faut le mettre en place. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Je suis pas sûr qu'installer water cooling, ça soit comme ça soit vachement facile. Mais water quoi. Cooling là, c'est juste pour c'est juste un peu pour le. Voilà, c'est du refroidissement à eau. C'est pour ça te permet d'avoir un meilleur refroidissement et surtout moins d'audio. Mais bon, tu mets du ventilo là-dessus. C'est vrai que je suis d'accord. Question water cooling, t'es obligé de remettre de l'eau à chaque fois ou non. Ça c'est non. Non, pas moi en tout cas. Non, ça se fait.
Je sais pas, non, je me posais la question. Ouais. Trop technique, les gars, trop technique là. Vous êtes en train de me voir. Alors, après, SLI de 970 à plus de 1 million d'euros. De quoi? Je sais pas, il y a Barbatruc qui dit sur le chat. Y a c'est Barbage, Barbarge. C'est pas. Non, c'est non, pas... ça sera. Je, Babarge. Je l'appellerai Barbatruc. Alors, Barbatruc dit 3 SLI de 970 à plus d'un million d'euros. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais. Non, ouais. C'est parce qu'il avait fait ça aussi pour la 4K. On est d'accord, mais... voilà. Elgrom il dit water cooling, même si tu fais monter, ça va te coûter max 100 euros. Voilà. Donc c'est pas ça qui coûte extrêmement cher. Ah oui, c'est vrai. Hein, non, c'est vrai. Par contre, c'est... Enfin, moi je trouve que ce PC n'est pas si cher que ça pour une personne qui ne peut pas directement monter un PC comme ça. Parce que je peux vous dire quand même de monter un PC avec une aussi grosse configuration. C'est quoi cette config qu'il avait lancé, Barbage? Ouais, c'est ça, triple Nvidia. Mais c'est pas ça qui coûte cher, à mon avis. C'est le 12Go en DDR5 qui doit, à mon avis, coûter la blinde. Non, c'est 8Go en DDR4. Et c'est deux. Enfin, c'est en DDR5. Mais lui, c'est lui, il nous parle de carte graphique, je sais pas quoi. Non, mais en fait, ouais, c'est un bug. C'est pas possible que ce soit aussi cher. C'est pas possible. Bref, c'est de la crap. Donc, Alienware, ça vous plaît, les gars? Ça vous intéresse de sortir un PC comme ça ou est-ce que... Alors moi vous m'avez perdu au moment où vous avez commencé à parler de SSD. Donc je suis plus là du tout. Alors, mais j'adore l'Alienware hein. Pour t'expliquer un peu ce que c'est un SSD, Sandra, c'est actuellement un disque dur classique, c'est un disque en fer, d'accord, avec des aimants dessus et d'accord. Alors qu'en fait un SSD c'est ni plus ni moins qu'une mémoire flash comme ta petite carte SD, tu vois. Voilà. D'accord. T'as bien résumé. Voilà. Ça va, donc ça va très 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 vite. D'accord, voilà, et bah, ça m'aiderait bien. En fait, c'est super, c'est comme une feuille. C'est comme une feuille à papier. Ah oui, et, d'accord. Et en fait, le principe d'un disque dur de base, c'est qu'en gros, ton disque dur, t'as un genre de petit diamant comme sur un vinyle qui va chercher les données. Alors que là, en SSD, c'est du stockage flash et c'est quasiment de l'instantané. Donc en gros, si ton Windows est installé en SSD, t'appuies sur le bouton on, ton PC est déjà allumé quoi. Voilà, et c'est pour ça que mon PC se démarre en 5 secondes. Tu vois, quand tu double clic sur une application, l'application se lance quasiment instantanément. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc souvent, les gens qui achètent des SSD, ou alors les gens qui ont beaucoup d'argent sinon, mais souvent les gens qui achètent des SSD, ils font SSD plus disque dur mécanique, SSD pour tout ce qui est logiciel et système d'exploitation, et disque dur mécanique pour tout ce qui est fichier, etc. Qui, voilà, ça fin... Pour tout ce qui est film de tout ce qui est film porno et sextape de Vince quoi. Voilà. Donc voilà pour l'Alienware, si le lien vous intéresse les amis vous pouvez le retrouver dans la description. Enfin je pense qu'on devrait faire un espèce de package de news parce que tes news généralement les gens ils aiment bien après avoir des compléments d'informations. Mais on peut vous demander sur Twitter aussi. Donc avec Alex hier. Hein, ouais voilà. Et comme j'ai dit, ça fait partie des choses qu'on va mettre en place. Et peut-être même ce serait possible que des gens de chez Geek Morning fassent aussi des news directement sur le site au gaming. Ok d'accord, ça marche. Histoire de résumer un peu leur chronique. Ça fait partie des choses que je vous ai dit. Okay, ça marche. Donc du coup, on va passer tout de suite. Vas-y, dis-moi, finir un petit truc là-dessus. Après, comme ça, on accélère parce que c'est déjà 40. Hein. Oui, bien sûr. Juste pour conclure, moi, c'est pas quelque chose que je vais acheter en fait parce que tout simplement, je peux me faire déjà mon propre PC. Et alors c'est vrai que l'architecture me plaît bien. Enfin, le design de la machine me plaît bien. Mais après, moi, j'aime bien monter mes propres PC. Donc du coup, voilà, c'est juste ça. Okay. Et je sais que ça redeviendrait un peu moins cher au final. Est-ce qu'ils vendent des boîtiers tout simplement Alienware? Ah non. Ouais, non, bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, ton j'en ai. Ouais, mais je pense que d'ici 4, 5, 6, allez, peut-être 6 mois, tu vas avoir un mec, je sais pas, je ne donne pas de nom parce que c'est vrai que je connais pas de nom de boîtier, mais qui vont sûrement te sortir un. Pas exactement pareil parce qu'à mon avis, ils auront pas le droit. Mais. Oui, parce qu'il y a sûrement un brevet dessus. Un truc. Ouais, c'est ça, mais légèrement similaire, on va dire. Ok, ça marche. Voilà. Donc voilà, Vince vous conseille. Qu'est-ce que tu conseilles de plutôt monter son PC quand même hein. C'est quand même ça qui. Alors, achetez pas de PC. Non, ça dépend. Non, mais ça dépend. Vas-y. Pour les gens qui ne savent pas, enfin qui n'ont jamais monté un PC, ou alors qui veulent vraiment pas monter un PC, ou alors qui ne savent pas monter un PC, là, ce type de PC là. Pour monter, c'est quand même compliqué. C'est vraiment ce type de config-là où c'est très compliqué parce qu'il y a des nouveaux composants, c'est des bons composants avec du water cooling, etc. Avec la forme en plus, bon, si on veut faire un peu pareil. Donc, c'est ce type de PC-là, faut être vraiment quand même un peu, voilà, faut il faut aimer. Faut aimer, sinon, faut être dans le truc. Faut claquer 1500 euros dans l'eau, quoi.
Ouais. Voilà, et il faut faire gaffe, hein, parce que si vous avez pas bien monté le PC, bah, des fois il y a des composants qui peuvent griller. Ça m'est jamais arrivé pour moi, mais voilà, ça peut arriver. Donc, faire gaffe. Donc, c'est vrai que voilà, ce type de PC-là, si vous voulez avoir une bonne config et vous voulez pas vous casser la tête, et ben, au final, prenez ça. Après, il y a d'autres configs, hein, bien sûr, qui existent, mais Alienware est quand même pas mal, même si on paye aussi un peu la marque, faut le dire. Ouais. Mais c'est un peu ça, comme Apple, hein, en gros. C'est un peu normal. Ouais, quand même pas, mais voilà, c'est un peu normal, c'est du Alienware. Ouais, ouais, en gros, t'as ceux qui veulent se lancer, je résume, hein, t'as ceux qui veulent se lancer dans les montages de PC et qui ont pas forcément, qui savent pas comment faire, donc ils vont acheter un Alienware en disant voilà, je vais regarder ensuite ce qu'il y a dedans, ouais, sachant qu'il y a déjà ouais, une bonne config. Et puis, bah, t'as ceux qui s'y connaissent pas du tout et puis qui sont un petit peu des pigeons et qui vont acheter un Alienware parce que le vendeur aura bien fait son travail. Est-ce que je me trompe ou... Ouais, écoute, oui, t'as aussi ce cas-là, forcément. Oui, en gros, quelqu'un comme Daft, Alex ou toi qui connaissent les configurations PC, ouais, qui savent comment ça marche, qui, je pense, savent monter un PC sans souci avec les bonnes configurations, les bonnes choses, t'achèteras pas un Alienware. Moi, water cooling, moi perso, un water cooling, je sais pas le monter, hein, celui direct. Ouais, mais je veux dire, tu sais comment ça fonctionne, tu peux trouver quelqu'un ouais, qui je vois le à peu fait. Près. Je vois à peu près. Par contre, comme moi je le répète, c'est une bonne base. Oui, 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 oui. C'est une bonne base pour l'avenir. C'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est une bonne base. Il y a quand même gros PC pros, évolutif. Dernières... Hein, ouais. Voilà, exactement. Gros, là, disons qu'avec un PC comme ça, vous l'achetez maintenant, d'accord, vous avez payé 1 500 €, sauf que dans 6, 7, 8 ans. Pour 3-4 ans. Oh non, non, pas 8 ans, Alex. Non, bah, non, si elle est dans 3-4 ans, dans... tranquille. Dans 6 ans, vous pourrez encore mettre à jour. Je parle de mettre oui, à jour. Oui, oui, oui. Ouais, vrai. Mais du coup, tu vas payer quasiment le même prix que ce que tu avais payé il y a 8 ans. Donc, ça, finalement, c'est pas une mise à jour, ce sera carrément une nouvelle config limite. Parce que tu seras obligé de tout changer, tu seras obligé de changer ta carte mère avec les nouveaux sockets, tu seras obligé de changer le processeur, la carte graphique, etc. Justement, je parle justement de ça, je parle justement de la carte mère, au moins la carte mère de base, celle-là, vous ne serez pas obligé de la changer. Ouais, tu ne seras pas obligé de la changer, au moins pour la prochaine génération, parce que c'est déjà la nouvelle génération de sockets. Ouais, c'est ça. Voilà. Et à mon avis, la génération-là, elle va rester 4-5 ans. Par exemple, Vince, toi, tu dois avoir le même socket que moi, c'est le 1150, là, ce qui fait ouais, tourner les. Voilà. Donc là, du coup, par exemple, nous, on fait tourner aujourd'hui encore un petit peu tout ce qui. Enfin, encore un petit peu, encore un ou deux ans, tout ce qui va sortir. Et après, il va falloir qu'on change de socket parce qu'il va falloir changer de processeur, etc. Et donc, voilà. C'est ça. Et pour rien vous cacher, je pense que ça va bientôt arriver. Bref, voilà, on va passer tout de suite au projet Area. Google dévoile un nouveau prototype. Ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. Alors, est-ce que tu peux mettre la vidéo? Bah, tu l'ajoutes en article. C'est juste c'est bête, mais c'est quoi le projet Area? Alors, c'est pas Area, c'est Ara, pardon. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit Area. Ara, voilà. Ouais. Alors, ce projet Ara a été fait par l'équipe de développement R&D de Google. C'est un projet de téléphone qui peut, alors comme vous le voyez, qui peut s'interchanger. En fait, vous avez une base que vous payez à peu près 50 $ et vous pouvez directement clipper des fonctionnalités. Donc, si par exemple, voilà. Donc, si vous attends, voulez des fonctionnalités que vous clipez sur l'appareil, au dos ou alors même sur la surface. En fait, si vous voulez par exemple un super écran, bah, vous mettez un super écran. Oh my god, tu peux changer l'écran. Non, c'est des génies. C'est bon. Non mais alors, non si mais vous Daph, voulez... tu peux changer des écrans hein, sans souci hein, ça s'achète un peu partout des écrans. Ouais, mais bon, mais non, mais ouais, comment tu le changes? Tu sais le changer toi, Sandra? C'est facile là. Bah moi mon frère sait l'échanger, oui. Ouais, mais là t'as vu comment tu fais? Tu clips, okay. Tu déclips, hein, ah, oui, hein. Ah oui, j'ai je déjà vois, alors. Oh là là. Je peux te dire Sandra que j'ai déjà changé des écrans de téléphone. Ouais, c'est ouais. Chaud, hein. Oui, comparé je peux à ça, que c'est chaud, super chaud. Hein. Okay, mon frère m'a montré, aïe aïe aïe, mais là, mais le mec il te fait ça comme si c'était. Alors remets la vidéo. Ouais. Ouais, remets la vidéo comme ça au moins. On voit un peu. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, si vous voulez un super appareil photo comme celui-là, eh ben vous le mettez. Si vous voulez pas avoir d'appareil, enfin si vous voulez pas avoir de capteur d'appareil photo, vous le mettez pas. Ou ton appareil photo si vous... est merdé. Voilà. Tu peux mettre deux pros. Vous pouvez quoi. Mettre plein d'enceintes. Enfin, vous pouvez mettre plein d'enceintes pour avoir une super qualité de musique, par exemple. Ou voilà un truc à rayon X, oui. Bah quoi, des pirates qui nous disent c'est du Lego ton truc. Ultra. Non mais c'est trop la sauce les écrans, c'est trop la sauce les écrans. C'est trop stylé. C'est trop stylé et ça en fait il va avoir un kit de développement fin d'année on va dire à peu près un kit de développement donc j'espère c'est Ikea que je vais l'avoir. Non c'est pas Ikea c'est bien Google et ça se sent alors Google. Voilà le seul truc qui me paraît un peu dommage je sais pas si tu vois là, juste tout à la fin de la vidéo tu vois t'as un téléphone avec plein
Il montre tous les outils. Et tu vois que le téléphone, bah, il ressemble plus à rien parce que t'as un truc ouais. rouge, un truc vert, un truc blanc. Justement, un truc... ton téléphone, j'espère il qu'ils est vont unique. coordonner. Ton téléphone est non, unique. Non, mais tu peux faire des trucs design aussi. Hein. Ouais, j'ai ah, on a une question intéressante. On a Evernote qui nous dit est-ce que tous ces modules peuvent être changés à chaud? Ah, non, faut pas non, abuser. Mais les gars, t'éteins ton téléphone, tu le laisses Je reposer et tu pense changes quoi. pas. Enfin... Je pense pas. Je l'ai pas testé le kit de développement, mais je suppose que si tu changes l'écran à chaud, forcément l'écran il pète quoi. Enfin, oui, non, mais voilà. on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Bah, Regardez, là on voit une photo avec toutes les puces voilà. et tout. Ah, c'est trop la sauce. C'est design. Mais par contre, Alors, eh, ce qui est franchement, bien. moi je kiffe, là j'achète direct. Hein, ça... Moi, Alors il y a aussi. là, tu vois, tu m'as réveillé là, Vince. Attention, hein. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est pour ça que je l'ai mis en plein milieu de la chronique. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont créer des fichiers type pour les imprimantes 3D. Donc, alors déjà, ils vont créer une imprimante 3D pour faire des modules Pour un la peu plus pizza? personnalisés. On en reparle des pizzas? Non, une imprimante 3D L'imprimante permet 3D directement pizza? de faire les moules des modules, des différents modules. Et aussi, il y aura des fichiers 3D. Pour les développeurs qui voudront faire des trucs un peu plus sympas, etc. Voilà, en Et on gros, pourra faire pour résumer. un téléphone portable en pizza. Non, Alex, il n'y aura pas de Donc téléphone pizza. Par contre, tu pourras mettre une pizza en plein. le module kit développeur donc Daria est Ouais. gratuit et ouvert à n'importe qui. Tout le monde pourra créer et le rendre disponible sur la boutique. En gros, tu crées ton téléphone et tu le mets en ligne sur la boutique Ouais, c'est ça. de Mais après, mise en place. voilà, mais ça, pour avoir le kit de. c'est vraiment la politique Google, ça. Hein. Oui, Google, Faut savoir que Android de base, c'est open source. Hein. Donc, ouais. Voilà, c'est mais ça. Hein. si je me souviens bien, le kit de développement physique sera pas pour tout le monde. Hein. Ou alors je me trompe, c'est encore Bah là, ils à me me disent non, confirmer. non, en suivant le modèle Android, nous sommes en train de créer une plateforme gratuite et ouverte, le MDK Module Developer Kit. Gratuit et ouvert à n'importe. Ouais, Oui, pour faire justement. ouais, ouais, ouais. En fait, sur le site, tu peux directement mettre tes modules, etc. Voir On comment. pourra créer un module Geek Morning. Ouais, Ouais. tu pourras créer un module T'appuies sur le portable. bouton, Ouais, t'appuies t'appuies sur le sur le bouton, ça bouton t'ouvre et Twitch. boum. Boum, Non, c'est même tout. pire que ça, Non, t'appuies sur le mais. bouton et d'un coup, chut, t'as un mini écran qui apparaît et t'as Geek Morning qui se met en route. C'est vrai Non, qu'on mais n'a pas. c'est pas bête, hein. C'est pas bête, Il hein. y a Mderek qui pose une question. Ça coûte combien d'avoir un téléphone complet? Ça C'est ce dépend que des j'allais dire. composants, ça C'est ce que dépend j'allais dire. de. Ouais, ça dépend des composants. Moi, tout ce que je Ça sais, tiendrait comme un PC, quoi, je crois. c'est à peu près 60 € pour la base, donc juste la base, sans composants. C'est pas cher. Et puis, ouais, enfin, c'est quand même une C'est base, juste les c'est puces, pas quoi. cher, je suis d'accord. Ah, mais Mais mec, c'est pas après. cher. Un téléphone, maintenant, c'est combien? Un Attends, attends, téléphone mais nu, attends, de justement, base, attends, on va pourri, c'est attendre. 400 euros. Mais non, mais là, attends, Oh la non, 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 base. non, t'es la gentil, base. 500 balles, hein. Alex, la base, c'est la base, c'est, tu Non, sais, j'ai la base, t'as la rien coque, du tout y a dessus. rien. Tu peux rien faire avec. T'as juste la base pour Oui. clipper tes choses après. Voilà. Clipper Mais tes ce que je veux trucs. dire, c'est qu'un téléphone portable de base aujourd'hui, c'est dans les 300, 400 euros. Ah, oui, justement. Je Mais faut suis voir d'accord après avec toi. combien Bon, coûtent les puces et bah, combien du alors, coup ça te je suis revient à d'accord mettre avec toutes les toi. puces. Alors, ça sera sûrement moins cher, vu qu'en plus, enfin, tu mettras tes composants que tu voudras, donc ça sera sûrement moins cher. Après, moi, je pense que l'écran, il va coûter par exemple à peu près 70 €, un truc comme ça, quoi. Bon, après, je sais pas trop les prix, hein, mais voilà. C'est vrai qu'on pourra choisir différents capteurs. Il y aura des capteurs photo par exemple qui seront beaucoup beaucoup mieux faits pour la photo ou des capteurs qui seront mieux faits pour la vidéo, je sais pas. Enfin, apparemment, c'est ce qu'ils disent. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on pourra choisir nos propres composants. Et ça c'est cool. Bah moi ce que Ouais, je veux c'est dire pas ce qui est mal. cool c'est surtout c'est que ton téléphone portable il devient évolutif. Il devient Ouais. original et Le gros évolutif. souci par exemple tu vois dans le Vas-y. gros souci d'Android. Moi le gros souci que je trouve Android maintenant, je parle bien d'Android, hein, je parle pas Ouais. d'iPhone, c'est que tu as des applications, il y a des jeux, plus particulièrement des jeux, qui ne tournent, même si tu as par exemple Android 4.1, et eh ben ça marche pas. Non mais Ça alors marche pas sur le moi je vais te tien parler parce d'un que jeu, tu vois, ton petit portable est exemple. pas assez puissant. Petit exemple ouais, sur ça, à ce que tu dis, Alex. Moi, j'ai voulu, à la sortie de Hearthstone sur Android, me le prendre. Je me suis dit, ouais, trop bien, je vais me le prendre sur mon téléphone. Trop bien, j'aurais pas besoin d'allumer mon PC pour jouer Hearthstone. Ouais, j'ai un Sony T3, hein, Il je vous n'existe pas ce rappelle. téléphone. Oui, donc j'ai un Sony T3, hein, donc je suis sur Android. Je dis, ouais, je vais aller sur mon Ah, mais téléphone. il Et en n'existe pas fait, non, sur mobile. non, ça m'a dit en fait que Je mon crois. téléphone n'était pas compatible parce que j'avais pas la bonne version. Donc en fait, tout simplement, si t'as pas une tablette, tu ne peux pas y Non, mais jouer. Sandra, je t'explique.
Oui, c'est ça. Oui, Les voilà, versions c'est ce que je suis mobiles en train de te dire. ne sont pas sorties. Mais là, ça n'a rien à Voilà. voir. C'est parce que c'est parce qu'ils n'ont pas sorti de version Parce mobile qu'ils pour sont pas l'instant. encore Ils vont bonnes. la sortir. Ils vont Oui, la mais non, mais sortir, la oui. version mobile. Mais Et c'est pas encore sorti. tu dis par rapport aux applications, tu parles des, par rapport à des applications, et moi j'en reviens un petit peu à ce sujet-là aussi, où tu as Oui, certaines mais là, c'est parce que applications. tu prends un exemple d'application qu'ils ont bien dit de base, attention, on vous prévient, sur mobile, ça ne fonctionnera pas. Oui, bah On n'a moi je pas pensais encore que ça allait lancé le truc. fonctionner. Moi je Non, pensais que ça il l'avait bien dit, il l'avait bien dit. Non, mais si tu veux qu'on aille plus loin, moi j'ai un Windows Phone, il est toujours pas sorti sur Windows Phone, ni sur Windows Tablet, encore, me fais pas chier. Non, Je, par oui, contre, moi, ce que je je trouve répète. vraiment sympa dans ce projet, c'est-à-dire que, comme moi, les mecs qui utilisent un téléphone juste, tu vois, pour appeler et prendre des photos, à la limite, ce que tu peux vraiment faire, c'est customiser ton téléphone selon ton envie. Par exemple, si tu as un mec qui a envie de prendre des gros photos, ben du coup tu vas mettre un très très gros appareil avec plein de mégapixels. Si jamais tu es un mec qui regarde plutôt masse vidéo et que t'en fous un peu des photos, tu vas mettre un grand écran en mode full résolution, etc. Donc là, tu peux vraiment focus sur C'est telle ou telle ça. partie. Et ça, je trouve ça très intéressant là pour le Voilà. coup. Mais du coup, Moi question, qui est-ce suis que ça très va être vidéo et jeux vidéo, je pourrais mettre des bons processeurs et juste un écran parce que moi, l'appareil photo, clairement, je m'en bats les couilles. Exactement. Bah Moi, voilà, tu vois, j'ai c'est une ça, c'est ça, question. Alex. Moi, j'ai une question à Pareil. Vince, du coup, pour ça. Est-ce que, du coup, ça va être une nouvelle marque de téléphone? Est-ce que ça va être un nouveau téléphone? Combien va coûter le téléphone? Est-ce que tu vas pouvoir prendre un abonnement avec le téléphone? Comment ça se passe? T'as Alors, des infos? l'abonnement avec le téléphone, bien sûr, Ça, il n'y c'est a la pas, cime, de il n'y souci. a pas de problème. Moi, ce que je pense. Ce que je vais te dire ce que je pense, y a pas mal d'infos sur, enfin de un peu flou, mais en tout cas moi ce que je peux te dire c'est que d'abonnement avec le téléphone, avec une formule, avec opérateur, ça je pense qu'il n'y en aura pas. Pour moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Ça se vendra sûrement que sur Internet avec Google. Moi c'est ce que je pense. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, Un peu comme le les téléphones Nexus. Google, Enfin, bah, ce que je veux dire, non, oui, c'est vrai que le Nexus. les téléphones Google, ça existe Oui. déjà. C'est les Google Nexus en Oui, mais partenariat là, avec c'est Samsung. particulier. Et Tu peux Google pas avait annoncé prendre. justement que... Non, mais Google avait annoncé justement qu'ils voulaient ne plus sous-traiter et faire leur téléphone à eux. Et je pense que si tu me dis que la base est à 60$, donc nu, il y aura des formules avec abonnement, genre un pack de démarrage. Pack de démarrage à ton abonnement Ouais, c'est plus un peu ton compliqué quand même, hein. téléphone à... Bah non, parce qu'en fait, Parce que. j'explique juste une base de pourquoi quand tu prends un abonnement, ça prend 2 secondes. Quand vous payez un abonnement 35€ par mois, dites-vous qu'en fait, et que vous avez payé par contre votre téléphone 50€, dites-vous qu'en fait, vous le payez quand même votre téléphone et au final, il vous revient au même prix que le Ah prix nu. C'est comme oui, si vous non, faisiez un ça. crédit. Oui, Ça, c'est pareil, ouais. C'est ça, pareil. on est d'accord. Tout Mais s'accorde. non, Mais mais c'est là j'explique. justement Et le en gros, but je du pense que tu projet à auras avoir. un kit de base. Tu auras un kit de base avec donc la plaquette de base plus des modules, et tu paieras ça avec abonnement. Tu paieras ça, je sais pas, 100€, Ouais, 150 mais c'est euros, 150 euros, dommage, je pense que le je pense but. pas. Non, mais c'est dommage parce que le but du projet ARA, justement, c'est de personnaliser son mobile directement sur le site parce qu'en plus, ils vont avoir une plateforme apparemment où ça sera bien fait, où tu pourras personnaliser et après tu pourras le recevoir chez toi. Ou C'est alors un tu peu le paieras un but, euro. justement. De quoi? Tu paieras 1€ la base. Tu paieras 1€ ta base avec ton abonnement. Et après, à toi, tu t'achèteras tes trucs comme tu Ouais. veux. Je trouve ça un peu compliqué en fait. Mais Franchement, après, voilà. après c'est Google, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Là, on parle Ouais, un peu c'est sur de la ça. spéculation totale parce que C'est on ça. ne sait pas. Mais Après, bon, écoute, voilà, moi, moi ça je sort sais cette pas. année? Je sais pas du tout. Sortir cette année en tout public, je sais pas. Par contre, ça va sortir pour les développeurs et pour les gens Écoute, qui veulent développer dessus. je vais téléphoner à un copain qui travaille chez un gros opérateur téléphonique qui est au Qui siège s'appelle? principal à Paris, et je ne donnerai pas de nom, Oui. et si tu veux plus d'informations, c'est une marque qui a été rachetée il y a pas longtemps par l'opérateur à la fibre optique et au câble. Ah, je sais qui c'est. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont fibre optique, Ça tout le monde sait. Comme ça, je donne va. pas de nom. Je vais lui demander s'il y a des infos et je vous dirai ça la semaine prochaine. Ça te marche? C'est surtout Ça marche. si, Moi, surtout vous si aurez. Google travaille main en main, mais En main avec les main en main avec les opérateurs. opérateurs, parce que ça se trouve, ils Ah, vont c'est quand même dire le premier on a rien à opérateur foutre. mondial, hein. Alors, ils Enfin, travaillent quand même main en main pour faire cette production de portable avec Motorola aussi. Hein, voilà, Ok, tout simplement. ah, ils sont plus D'accord. avec Samsung donc. Moi, j'ai une question intéressante. Je sais plus trop Qui est passé expliquer. sur le chat tout à l'heure. Est-ce Pour que faire la ton production, hein, je Vince, est-ce que ton prototype là va être waterproof? Moi, c'est juste une vraie. C'est une question qui est passée, hein. C'est MDRAP qui nous l'a Bon, posée, hein. Je pense pas écoute. qu'il sera waterproof. Après, Écoute, Motorola, ils ça ont l'habitude de m'étonnerait, faire des ouais. téléphones. Parce qu'en fait, ça serait un peu compliqué vu que tu peux enlever. Je pense pas. Hein. Ouais. Franchement, je préfère pas te dire de conneries, mais je Oui, pense mais pas. c'est ce que dit Nitneroc, je sais plus son pseudo. Il s'agit, c'est le, en fait, c'est à la base un projet Kickstarter qui a été racheté par Google. Voilà, c'est tout. C'était important de le D'accord. dire. Alors là-bas, c'était des mecs qui avaient créé Ouais, ça et c'est que vrai Google que. a dit oh là là, ça m'a l'air super bon là, votre truc là, faites voir. Un Ça sent milliard. le fric là. Un On va milliard de racheter. pièces, ça sent l'argent. Argent, argent.
Donc, très bien, hein, les gens de, d'interagir comme ça, c'est ouais. Non, c'est pas possible qu'ils soient waterproof. Mais pas, alors, il sera peut-être waterproof. Il sera peut-être waterproof. C'est quand même la marque de fabrique de Motorola. Si tu me dis qu'il travaille avec Motorola. Oui, sauf bon. Que comment, enfin. Waterproof grand public. Comment tu veux étanchéité un système avec comme ça? Des joints. Avec des joints. Avec des joints, je mets des joints partout. Je mets des joints. Mais ouais, mais. Des joints ouais, mais après, ça va être tout moche. Ça va être tout moche. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Vince, enfin, par contre, enfin, oui, non, il faut qu'on enchaîne sur la prochaine news. Eh hey, les gars, c'est 56 ouais, parce là, que sinon, Sandra, t'auras plus de temps. Ça fait quasiment ouais, non, une mais heure de rubrique. Depuis, donc, depuis que tu passes premier, de toute façon, j'ai plus le temps de rien faire sur mes chroniques. Tu vois, il y a que deux chroniques aujourd'hui. Il y a que deux chroniques. Non, non, mais c'est, alors c'est soit là, c'est simple. C'est soit on fait la dernière news et après on part en pause, soit on fait la pause et tu fais ta news après. C'est comme tu veux. Non, non, non. Moi c'est je dis bon, qu'on fait la pause. News. On fait la pause maintenant et tu reviens pour faire la dernière news. La dernière. Moi je suis venu exprès pour la dernière parce que je pense que la dernière news. Non, non, mais attends. Parce que en plus de ta news, Alex, il y en a encore une. Ah oui. Tu vois, c'est ça. Voilà. Il y a encore une. Ah bah alors fais la news là et pour la news pour laquelle je suis venu, on la fera après la pause. Du coup, on va parler tout de suite de la Playbox mélange Xbox One et PS4. Ah, mais comment t'es mauvais, je voulais la prendre cette actualité. Comment t'es mauvais. Je savais, c'est pour ça que je l'ai fait. Oh l'autre, j'ai fait exprès de pas la prendre. Et tu sais, c'est ce que je vais te dire, c'est plus high-tech que jeux vidéo, donc voilà. Oui, mais j'ai voulu la prendre quand même. C'est pas grave. Alors, tu peux peut-être mettre la vidéo et un peu. Alors, bon, la vidéo elle est un peu longue, donc je sais pas. Elle est trop longue la vidéo. Hein. On parle, on parle de longue, mais bon. Bref, ça m'a l'air déjà énorme comme le comme truc. Hein. Alors, ça m'a l'air gros quoi. C'est en gros, c'est un produit inspiré par Ariel. Non, mais est-ce qu'ils sont sérieux avec leur pub Ariel là? Inspiré par Ariel. Donc, du coup, c'est un produit qui vous je permet d'avoir la vidéo, ouais, je peux pas, l'Xbox One et la PS4 dans le même produit. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un écran intégré dedans. En fait, ça fait un genre d'ordi portable. Quand même plus gros, hein. Mais c'est plus gros parce qu'il faut mettre. C'est du 22, c'est du 22 pouces, hein. L'écran, c'est 22 quoi, pouces. À quoi ça sert un PC, quoi, en fait. Non, alors ah, en si, fait. Si. Ah si, ça te permet de jouer à tous tes jeux PS4. Ah oui, et oui. Alors, il faut acheter les consoles et. Alors, il faut savoir, Vince, ce n'est pas la première Playbox que l'on voit. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu la première sur Xbox qui a été refaite sur 360, je crois. C'est la première 360 portable. La première Xbox One portable. Excusez-moi, mais il a le droit de faire ça là? Ah oui, il a largement le droit. Ah oui, il a largement le droit. Légalement, il n'a pas le droit de faire ça. Attends, attends. Il peut. Bah non, mais attends, non, mais Sandra, excuse-moi. Non. Excusez-moi, mais là, on est en train de parler. Là, je vous demande en termes de prix. Le mec, il est en train de. Il a créé une Xbox One et une PS4. Il les a réunis ensemble. Donc, ça veut dire qu'en gros. T'achètes plus le console. Il les vend pas au grand public. Non. Il les vend pas. Voilà. Donc c'est ça qu'il fallait quand même voilà. préciser. Non, parce c'est que t'as des projets qui sont en train de se faire. T'as pas le droit. Bien sûr, t'as pas le droit. C'est normal, c'est ça que je me disais. Le mec a pas le droit. Alors, s'il y a pas le droit de le vendre, qui peut se fournir ça? Qui peut avoir? C'est des projets qui sont en train de se faire, voilà. Des hommes riches. Là, apparemment, c'est un riche qui s'est acheté ça. Voilà, des hommes riches. Mais moi, je trouve ça l'idée géniale. Ouais, l'idée est géniale, c'est sûr. En plus, t'as un écran comme ça et tout. Enfin, c'est ouais, c'est trop bien. Tu peux suffire. En ouais, fait, le mec deux consoles de merde en même temps. Il a carrément fait un système pour directement switcher, etc. Il a fait un petit système. Il faut l'expliquer à ce monsieur que quand tu cumules deux caca, ça fait juste un plus gros caca. Ça fait pas quelque chose de bien. Ah non, 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 ce qui se passe, c'est que moi je l'ai vu la vidéo hier, j'ai regardé. Ça fait un petit moment que je suis ces actualités là. Le mec, voilà, il l'allume, le truc ça fonctionne super vite. Il se met sur Xbox, ensuite il switch, il va sur PS4, il re-switch, il va sur Xbox One. T'as vraiment l'interface, c'est juste magique. T'as les manettes qui fonctionnent, elles sont pas branchées. Est-ce que t'as accès hein, t'as à toutes les fonctionnalités. T'as accès à alors, toutes la les seule fonctionnalités. Différence, la seule différence, c'est que les ports USB sont pas dehors, ils sont dedans. Simplement parce qu'il a pas pu en fait mettre les ports USB dehors, enfin je veux dire sur est-ce que tu as accès au market par exemple? Oui, t'as accès à tout ça. Quand tu l'allumes, t'as l'interface, mais en fait le mec c'est un pur génie quoi. Les wifi marchent, c'est l'avenir, ça fait longtemps que tout le monde en parle de justement la console unique. Bah par contre moi j'aimerais bien faire un truc en fait juste techniquement en fait si parce que faut savoir une chose, c'est que n'importe quel constructeur aujourd'hui, quand ils vendent une console, ils vendent à perte. Et que le but de ces gens-là, c'est de vendre des jeux.
Les consoles, ils ne gagnent jamais d'argent sur les consoles, ils perdent de l'argent même en général. Mmh. Et c'est sur la revente des jeux, parce que quand vous achetez un jeu Sony, même si c'est pas Sony qui l'a fait, lui il gagne un pourcentage sur ce jeu-là. Ah oui, oui. Donc à terme, pourquoi pas pour les éditeurs, c'est peut-être. Moi je trouve l'idée assez sympa, même si pour le moment on le verra pas dans des magasins, c'est pas pour le grand public pour le moment. Ah bah, peut-être qu'un jour jamais, ça le sera. Mais je rappelle que quand même on a les Xbox. Alors il me semble que c'est la 360 et la Xbox One qui avaient été refaits en Playbox aussi comme ça. C'est pas les premières qu'on voit. Hein. Ouais, c'est pas les Sandra, premières qu'on voit. Sandra, là c'était deux Xbox qui étaient faits. Oui ensemble. Non mais oui je suis d'accord. Donc, là c'est là t'as deux concurrents principaux. Je suis d'accord. Non. Ouais, mais je te dis, Dave, je t'arrête tout de suite parce que je te dis non, parce que clairement, Microsoft, on dit on fait pas de console rétro-compatible. Non, mais oui, pourquoi après, voilà, après pourquoi, ça pourquoi après, ils font bien ce qu'ils veulent, parce mais. Sinon, de ces cas-là, non, ils auraient fait le la console rétro. Le mec avait pas fait une Playbox avec 360 et Xbox One niveau, processeur ou quoi. Hein, il avait fait une pour la 360 en portable, comme la Playbox là, et une en Xbox One pour la portable comme là. Hein, oui. C'est, ah, il a okay. Deux voilà, différences. C'est ça, il a pas fait de la rétro-compatibilité, pardon. Ouais. Pardon, non. Mais non, moi je trouve que ça c'est bien parce que t'as, tu m'énerves Vince, je voulais en parler en plus. Tu peux en parler. Moi hein, je trouve ça sympa parce paroles, que c'est l'avenir. C'est pourquoi est-ce qu'on peut avoir une console Nintendo 3DS portable et pas une Playbox? Vas-y, dis-moi, pourquoi on peut pas avoir une Playbox? Parce que c'est Nintendo qui l'a fait. Parce que c'est Nintendo qui l'a fait. Oh, mais c'est le mec qui s'allie avec Microsoft ou avec Sony mais en disant que là. Moi je vous vends mon projet. Non mais Charlie. Sandra, le problème n'est pas le problème. Oui, excuse-moi, tu me saoules avec ton arrobase, donc bon. Le problème n'est pas. Est-ce qu'il peut le faire? Mais le problème, c'est techniquement parlant, enfin même pas techniquement, humainement parlant, ce mec-là ne pourra jamais faire. Dire bon, moi je travaille. Sony, ok, je travaille avec vous. Microsoft, ok, je travaille avec vous. Nintendo, je travaille avec vous. Et on fait un projet commun. Ces mecs-là n'arriveront. Ça fait des années qu'ils sont ensemble, enfin qu'ils sont sur le marché, et ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord et ils se foutent sur la gueule en longueur d'année. Ouais, donc mais crois-moi que les mecs, ils vont jamais dire ok. Alors non seulement on fait plus de console, en plus on donne le projet à quelqu'un d'autre. Donc c'est lui qui va prendre des sous en plus. Il va gagner des sous sur notre dos. Et en plus de ça, c'est clair, c'est utopique, c'est mort. Ouais, c'est mort. Pourquoi non, pas non. Moi j'ai envie de te dire pourquoi mais pas. Non, le mec Sandra, va c'est dans le monde des bisounours. Mais moi j'ai, ça, mais moi, j'ai dans des le monde du moi. Moi du moment que tu me parles du jeu vidéo, j'ai des étoiles plein les yeux. Mais oui, je oui, me... oui, oui. Mais moi tu sais quoi, non, moi tu sais quoi, je serais riche, je me le prendrais le truc parce que c'est juste mais génial. Ouais, moi qui n'ai pas de Xbox One, si j'étais riche, ouais, j'étais riche, j'aurais plein de choses. Mais moi je trouve ça sympa. En plus le fait que tu peux switcher comme ça d'un coup de la Xbox One à la PS4, c'est assez sympa. Le truc est pas trop énorme non plus. Voilà. Pourquoi moi pas. Je veux juste dire, il s'est pas fait chier sur la typo. Le mec, il a vu un opérateur téléphonique que je donnerai pas le nom, qui fait aussi de la vente d'immobilier. Pour ceux qui connaissent, ils ont reconnu le nom de l'opérateur. Et il a repris la même typo que leur box internet actuelle. Ok, donc je veux pas dire, mais c'est pas fait chier le mec. Donc ouais, non seulement chier, il pique le framerate de Microsoft et de Sony, et en plus de ça il pique la typo d'un autre mec encore. Je veux pas dire, mais le mec il va avoir des problèmes. En fait le mec il est dans la récup. Le mec il regroupe tout ce qu'il a. Il a dit bon alors j'ai quoi devant moi? Une non, PS4, mec, une Xbox ça, allez c'est parti. Et je te prends en plus de ça je te prends la coque d'un PC de marque je n'ai pas d'exemple là par contre pour cette partie là. Pour une marque qui commence par A et qui finit par R, voilà. Ouais, ok, d'accord. non, mais c'est vrai que voilà, c'est une. Moi, j'ai vu, c'était une commande spéciale pour. C'est rigolo, on va dire que c'est news rigolote, on va dire, allez. Voilà. Une commande spéciale, en tout cas, le mec, il est très très fort hein, pour faire un système de Switch, etc. Il a ouvert la PS4, il a ouvert l'Xbox One et puis il a pris Sandra, le composant. Sandra, s'il te plaît, respecte-le. Sandra, il a pas fait que ça. Hein. Il a pas fait que ça, il a fait un stand exploitation pour directement pouvoir switcher, etc. Il y a un boulot derrière, Sandra, quand même. Non, il y a des brefures qui marquent là sur le chat. Les riches en marge leur dump pour switcher entre leurs 40 consoles. Donc... Exactement, t'as bien raison. Le mec, il le sait, quoi. T'as tout compris. Ça sent le cul. Bref, les amis, il est 11h05, on est trop à la bourre, mais grave. Donc du coup, on va faire la pause de 5 minutes et on revient juste après pour la rubrique jeux vidéo. Je sais même pas si on va pouvoir du coup avoir le temps de parler de, parce que en plus ça va partir en débat. Ça va partir en débat hystérique. Donc on va voir. J'aimerais bien faire ma chronique. On revient dans 5 minutes. J'ai une alternative. On fait, au lieu de faire une pub de 5 minutes, on fait une pub de 2 minutes 30.
Ah, trop bien, ça a changé beaucoup de choses. Eh bah si. Bah non, ça Parce que la changera rien pro parce que de toute façon, consort, on on va prend en une parler pub pendant 20 minutes de la news, Ah donc. Alors, Max Pognon, on fait une pub de 5 minutes. Allez. Allez, Allez, à tout de suite, les allez. amis. De retour dans le Geek Morning, les amis. Nous sommes de retour et on se dépêche hein, parce qu'on est déjà à la bourre. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on avait une dernière news pour vous. On va en Ouais. parler rapidement avant de commencer la rubrique de Sandra. Tu peux mettre la news de gaming, s'il te plaît, Bah, juste pour. je vais aller sur le site alors. Voilà, Voilà, parce au que. gaming. La Oh, news parce que la gaming. news, elle est sur OGaming TV, donc n'hésitez pas, je vais peut-être passer le. D'ailleurs, on m'a demandé, fallait que je mette le lien. Voilà, donc Voilà, j'ai mis le je vous lien. mets le lien. La news, hein, pour Ah ceux bah, qui ne l'ont j'ai mis le lien. pas, la news pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est tout simplement Dailymotion Games, donc Dailymotion qui lance sa plateforme comme un Twitch en gros. Donc on va en parler rapidement, on va prendre les avis de chacun. Ouais, Déjà bien on va sûr. laisser Vince et Alex déjà nous faire une petite présentation, peut-être plus Alex, je sais pas si Voilà, je vais laisser Alex ouais. On va présenter laisser Alex présenter, Dailymotion. puis ensuite on réagira Alors, chacun à son tour. son Vas-y. avis, et son avis, bien sûr. Clairement, ça fait moi, ça fait longtemps que je travaille avec Dailymotion, ça fait longtemps qu'ils nous en parlent, ça fait longtemps qu'ils me disent oui, ça arrive le mois prochain. Ça fait 3 ans qu'ils disent à peu près que ça arrive le mois prochain. Ok, au final, ils ont sorti une plateforme, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de Twitch avec un chat qui est beaucoup moins performant. J'ai envie de. Personne, pour l'instant, personne ne respecte le Dailymotion Games. Hier, pour vous donner un peu d'ordinaire, j'ai découvert le truc hier en plus. Hier, je tombe dessus par hasard, je vais dessus, je vais sur League of Legends. Les 4 premières grosses TV, je n'aurai pas de nom, mais les 4 premières grosses TV, sauf une structure qui commence par M et qui finit par M aussi. M&M's. Et M&M's, M&M's, voilà. Qui respectait, mais en gros les 3 autres étaient basés sur League of Legends, ils faisaient pas du tout de League of Legends, il y avait du Minecraft, il y avait un peu de tout. Donc voilà, clairement je pense que c'est une bonne initiative. Après moi personnellement c'est un reproche que je leur fais, c'est qu'ils ont mis beaucoup trop de temps à le sortir, ça fait beaucoup trop de temps que les gens se plaignent que sur Dailymotion on comprend rien, on voit rien, qu'en gros c'est la merde. Aujourd'hui, en plus de ça, ça fait des années qu'ils vivent sur le dos de structures françaises, même internationales, C'est plus ça. françaises qu'internationales, et qui, grâce à eux, ils ont pu développer cet outil-là. Et moi, j'ai peur, c'est qu'ils vont mettre un gros fist-fucking. Je suis désolé, je vais être assez brut, mais moi, ça m'insupporte un peu parce que voilà, ils ont jamais été, ils sont pas toujours nickel. Alors, je vais pas être non plus nickel dans ma façon de parler. Ils ont pas été tendres, je pense qu'ils ont, voilà, ils vont mettre un gros fist dans tout, ils ont déjà essayé de le faire l'année dernière quand il y a eu YouTube qui a fait son, quand YouTube a déclaré ses nouvelles conditions, je sais pas quoi là. Forcément, tous les YouTubeurs, ils étaient en furie. Ah, on va se barrer, on va se barrer, on va se barrer. Dailymotion, on avait récupéré une paire qui, au final, sont restés qu'un mois et après ils ont dit bon, en fait, non, YouTube, ça a rien changé, on continue sur Ouais. YouTube. Mais de ce fait-là, déjà quand ils ont fait ça, ils ont mis un, voilà, ils ont fait un gros coup de poignard dans le dos à toutes les grosses structures qui font aujourd'hui, qui aujourd'hui font en sorte que Dailymotion tourne correctement. On va pas se mentir, il y avait OGaming avant, il y avait les concurrents d'OGaming. Voilà, je veux pas citer de nom parce que sinon je peux passer 1 heure. Mais voilà, en gros, moi je trouve ça c'est bien pour le public parce que ça va vous permettre de trouver plus facilement ce que vous voulez sur Dailymotion. C'est vrai que le player Dailymotion est quand même assez qualitatif. Le player, je parle bien, le player est assez qualitatif. Oui. Mais par contre, après le reste, pour moi, je trouve ça pas. Le chat est pourri. Moi j'ai eu le chat, franchement, le chat est nul à chier. Non, pour moi c'est bien, sauf que ça arrive trop tard. Et puis je trouve que ça va foutre un. Y a déjà beaucoup mieux ailleurs, quoi. D'accord, ok, donc ça Voilà. marche. Voilà pour la Alors, petite explication, on va laisser Sandra et justement vite fait après. juste pour la petite anecdote, t'avais un network qui avait déjà fait ça et qui était partenaire Dailymotion, hein, c'était vraiment le partenaire Dailymotion qui s'appelait, je ne sais plus d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, il y a Zerator, il a commencé là-bas. Je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros, Ah, là, je sais plus. il faisait ça. En gros, vous étiez chez Dailymotion, vous pouviez avoir une web TV, etc. Et Dailymotion les attaque en procès à cause de ça. Ok. Donc, je trouve ça pas cool du tout, sachant que voilà, ils étaient en partenariat et maintenant ils disent, bah écoute, nous maintenant, nous notre plateforme, bon bah non, tu fermes la tienne et tu fermes ta gueule et puis si t'es pas content, je t'attaque en prud'homme. Et Mais puis c'est c'était ce un qui se peu passe. comme la
Attends, Vince, excuse-moi, on va d'abord commencer par Sandra parce qu'il faut qu'on ouais, se ouais, fie non, mais ouais, sur l'accident, puis après on passera sur toi. Vas-y, Sandra, ce que tu en penses, quoi. Et juste pour finir, et en oh plus, là, Alex, le CPM va encore baisser. Les CPM vont encore baisser, etc. Tu veux bien le dire, quand même. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un stream dont je ne citerai pas le nom sur Dailymotion, voilà, qui a été fait sur la plateforme Dailymotion. Honnêtement, ça vaut pas Twitch, hein, j'en ai parlé tout à l'heure en off hein, avec l'équipe du Geek Morning, ça vaut pas Twitch, c'est sûr. Moi, après, j'ai pas trop vu de différence parce que voilà, je suis pas non plus dans l'univers du streaming depuis des années. Hein. C'est sûr que, en plus sur le chat, je suis un peu d'accord avec ce que tout le monde dit, c'est pas Twitch, ils arrivent en retard, ils sont à la ramasse. Qui plus est, Twitch est tellement ancré dans l'univers du streaming, hein, que ce soit Twitch ou l'autre plateforme, je me souviens jamais, Ustream. Ustream, c'est ça. Ils sont tellement ancrés, en fait, ils sont là, ils sont présents, hein, que maintenant, Dailymotion, moi, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Passez votre chemin, alors, quoi. Si, leur player est vraiment bon. En fait, qualitativement, oui, voilà. au niveau image, le ouais, player voilà. Dailymotion est vraiment bon. Mais voilà. Une bonne image, ouais. C'est ouais. En même temps, c'est ce qui est important dans un stream. Mais, oui. Alors, moi, ce que j'aurais... Voilà, juste... c'est tout. Alors... Juste voilà, pour faire brièvement, je ne vais pas parler de la plateforme parce que vous l'avez déjà bien dit et je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est très très bien. Par contre, au niveau du player, il faut savoir que Dailymotion est l'un des seuls players en fait, à faire la différence au niveau des résolutions. C'est-à-dire que vous pouvez directement sélectionner les résolutions que vous voulez et ça veut dire que pour les gens qui ont des connexions très, très bas de gamme, enfin très peux, bas hein, débit... Sur Twitch, hein. Voilà, ben non, ça. En fait, non, sur en fait, Twitch, si, non, non, en fait, non. Si sur Twitch tu peux, non. Mais il faut un certain nombre de viewers non. avant que ça se débloque. Non, non. Alors, c'est justement, je voulais en venir, c'est que vous choisissez pas la résolution, vous choisissez la qualité. Mm-hmm. Et c'est très différent, en fait, c'est que la qualité, vous baissez le bitrate, mais vous baissez pas la résolution. Vous restez sur la même résolution et vous baissez juste le bitrate. Et c'est ce qui se passe sur Twitch. Sur Dailymotion, ça marche pas comme ça. En fait, vous changez la résolution. D'accord. Ouais. Et il faut savoir ça, aussi. C'est pour ça que tu vois plus facilement. C'est juste que les petites connexions ont plus de facilité sur Dailymotion que sur Twitch. Et il faut savoir aussi que Dailymotion n'a pas de limite. Alors Twitch aujourd'hui limite le bitrate à. Pour ceux qui connaissent, limite ouais, le bitrate à 3500. Voilà, c'est ça, je vous le dis. Hein, c'est un terme technique. Voilà. Le bitrate est limité à 3500. Dailymotion n'a pas de limite. Tu peux monter à autant que tu veux. Si jamais tu as envie de streamer en 4K, tu peux balancer du 10 000. Attention, ça marche. J'ai pas. Je sais pas si t'as déjà fait le test, mais moi j'ai fait le test quand j'étais directeur TV il y a pas si longtemps que ça. On était monté à. On avait un mec qui avait 500 mégas d'upload. On s'est amusé à monter à 10 mégas d'upload. On a fait exploser Dailymotion. Oui, mais, littéralement. Oui, ça fait bugger le stream. Quand je dis on a fait bugger Dailymotion, c'est littéralement au sens littéral du terme, c'est-à-dire c'est tout Dailymotion qu'on a fait planter. Ça, c'est un problème, oui, parce que j'ai le droit à un petit coup de téléphone du mec de Dailymotion en me disant arrête ton stream tout de suite, tu me fais planter toute ma plateforme. On est d'accord, Alex, mais le truc c'est que la différence c'est quand tu stream du 1080p, parfois 3500 c'est pas assez. Et le fait juste de monter à 4500, tu vois, d'augmenter un petit peu ton bitrate sur Dailymotion, t'as une meilleure qualité vidéo. Après, je suis d'accord. Voilà. Tu vois, c'est juste un palier quoi, c'est un tout petit. Ouais, bien sûr. Et t'as Zébrefur qui m'a confirmé, c'est Gamescred. Voilà, merci. Ouais, Gamescred. Ah oui, effectivement, c'est Gamescred. Merci beaucoup à toi, merci. Donc voilà, donc on est tous d'accord pour dire que Dailymotion arrive après la guerre, après la guerre, que Twitch est déjà tellement ancré que voilà. Le seul truc, c'est que c'est Cocorico, c'est français, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là après la bataille, que déjà tout le monde est passé sur le sujet. Et tu lances ça alors que ça fait des années que tu aurais dû le lancer, garçon. Surtout que Dailymotion c'est une plateforme vidéo depuis de longue date et qui travaille aussi beaucoup pour la télé. Ils font beaucoup de retransmissions télé, ils ont beaucoup de chaînes là-dessus. Donc le gaming, c'est quand même une part de leur marché, mais c'est pas tout leur marché. Donc ils se sont mis longtemps à lancer Twitch par exemple, c'est que pour le gaming, voilà, c'est que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fonctionne très très bien. Bah, en fait, moi je suis jamais allé regarder une chaîne de télé sur Dailymotion. Vous êtes déjà allé, vous? Twitch, c'est ni plus ni moins qu'en fait la version gaming de Justin TV. Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et Dailymotion appartient à 50% à Orange. Voilà. Ça, faut le savoir. Voilà, aussi. C'est ça. Oui, ah oui. Voilà. Oui, tu fais bien de le dire. Ouais, bon, après, voilà. Bon. Mais oui, effectivement. Et si je me souviens, il y a un petit pourcentage pour l'État, non? Ouais, bah, voilà. Bah, Orange appartient à l'État, donc indirectement. Aussi, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire sur le chat ce que vous en pensez de Dailymotion Games. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà. Sachant qu'apparemment, il y a une V2 de Twitch qui devrait arriver. Oui, oui, ça pas c'est cette année, sûr. Mais, alors, une V2 de Twitch, alors là, ça va être sympa. Alors, hein. J'attends ça. Voilà.
Il y a même un truc qui apparemment, bah, je regarde des streams d'américains et en fait ils font des tests de ce. Il y a des rumeurs comme quoi sur Twitch, ils sont en train de mettre en place un système pour quasiment ne plus avoir de délai, genre 4 ou 5 secondes de délai avec ton chat. Et ça, ce serait Ah, magnifique ouais, pour mais l'interaction en live, ça, ce serait génial. splendide. Et Ouais. ça, mais ça, Et le moi, j'ai problème, envie c'est de. que c'est un terme technique. Aujourd'hui, ils arrivent pas. C'est Alors. un problème technique, ils n'arrivent pas à le faire. Il y a toujours un délai. Mais Alors, si moi, le c'est jour où quelque ils arrivent à chose le que faire, ce j'ai. serait trop bien, quoi. C'est quelque chose que j'ai fait chez une chaîne de télé généraliste français. C'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais consultant là-bas. C'est un player en fait qui permet de faire moins de 1 seconde. Et je sais que le souci de ça en fait, c'est que tout simplement quand vous avez un player et qui a beaucoup de décalage, c'est parce qu'en fait les serveurs réencodent derrière pour justement faire du H.264. Pour permettre en fait que l'utilisateur voit ça en plusieurs résolutions et que ce soit compatible avec leur box internet tout Ouais, simplement. Non mais alors moi plus si tu me et permets plus d'intervenir, attendez les gars, vas-y juste je peux Sandra, vas-y Sandra. intervenir sur ça. Moi, ce que dit Daft sur le fait qu'on puisse éventuellement avoir et que ce soit pensé un stream avec un décalage qui soit très très faible, parce que là il faut savoir qu'on a un décalage de 40 secondes quand on fait un stream. Ça dépend, Moi ouais. perso, en général, c'est une moyenne. En général, moi perso, tu vois, je suis sur The Evil Within, je suis là en train de battre un boss, je me dis, ouais, les gars, ils vont m'aider, les gars, on est 20 sur le stream, aidez-moi, les gars, ils comprennent 40 secondes après ce que je suis en train de dire, donc moi je suis dans le caca, j'ai envie qu'on m'aide, et du coup c'est compliqué. Donc moi je pense que ce serait bien que Twitch essaye de voir comment on peut améliorer cette chose-là, parce que c'est vrai que c'est un point qui revient très souvent, le fait qu'on ait un décalage, qu'on a un Alors en gros fait, décalage comme ça. par rapport à ça, justement, il y a Barbache qui dit ça sur le chat. Sur Dailymotion, il y a 5 secondes. Alors non, en fait, il y a pas si longtemps que ça. Moi, il y a un an et demi de ça, C'est 20-25 secondes, quand j'avais une web TV, t'avais vraiment 5 secondes, même pas ouais. 5 secondes de délai sur Dailymotion. Le problème, c'est Effectivement. que la plateforme Dailymotion n'était pas du tout stable parce que ben, quand tu gères plusieurs web TV sur plusieurs serveurs, ben, forcément, les serveurs, ils sont pris, ils sont, ben, voilà, ils sont vachement utilisés. Et moins tu mets de délai, plus les serveurs sont obligés de trucs. Donc, ce qui fait que Dailymotion, C'est ça. non, long, là, on rajoutait, il y a un an de ça à peu près, un délai minimum de entre 20 et 30 secondes. Ouais, c'est ça. Après, tu as des plateformes, tu as Bon, il d'autres faut. plateformes sur lesquelles nous on travaille aussi, notamment Daft, qui pour pallier en plus à l'instabilité, parce que Dailymotion n'est pas vraiment stable, on passe par un serveur externe à Dailymotion qui lui renvoie au serveur Dailymotion pour être sûr que ça tourne correctement. Et on est obligé, et en fait, c'est juste une histoire de stabilité. Avant, Dailymotion le faisait, tu avais très peu de délai, mais c'était pas stable du tout. Ça arrivait très souvent que ça plante, que ça. Enfin, voilà, c'était merdique. Et depuis Et il qu'ils faut ont savoir, instauré ouais. ça, ça marche mieux. Ouais. Alors, ouais, alors voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut savoir que maintenant, depuis qu'ils ont mis les 20 secondes à peu près de décalage, on a quand même une meilleure qualité et c'est C'est plus normal. sécure. Enfin, c'est plus sécure, voilà. Ce qui est normal, c'est ce que je disais au départ, c'est que justement, plus t'as de temps de délai, plus eux, ils peuvent réencoder derrière, transformer, mettre plusieurs résolutions, etc. Et c'est vrai que moi, quand j'ai fait ce système de player à moins de 2 secondes, et ben là, en fait, on a plus ce système de résolution, on a justement la qualité source, en fait. On a la qualité source à moins de 2 secondes, tout simplement. On a la qualité qu'on envoie. Mais ça veut Voilà, tout dire que simplement. ça veut dire que ça veut dire que les gens Et doivent avoir la connexion pour faire tourner la c'est ce que souris. Ouais, c'est ça. Ou alors j'utilise maintenant, et il c'est ce que faudrait que tout le j'utilise monde des ait la courses scalées, fibre et moi. en gros il n'y aurait plus de serveur. En gros, il faudrait que le meilleur moyen, ça serait que les streamers aient des C'est ça. grosses bécanes et des grosses Exactement. connexions et qu'en fait Ouais, mais bon. Dailymotion ne Et les soit plus qu'un viewers player aussi. et plus de serveur. Oui, le Et les problème est les viewers viewers. aussi. Voilà, c'est ça. Les Ou deux, en fait. alors il faut. Les Ouais, deux voilà. parties. Et en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Il faudrait que tout le monde ait une connexion fibre optique, tout le monde ait des PC corrects pour pouvoir faire afficher du stream. Et en gros, il n'y aurait plus de serveur chez Dailymotion ou chez Twitch. Exactement. Ce qui fait qu'on vous enverrait le flux en Plus de direct. Et. serveurs. Coupez-vous pas la parole, hein, les Tu gars. peux, mais bon, voilà. Ouais, essayez de respecter. Voilà, quand il y en a qui parlent, attendez qu'il finisse sa phrase. Ça, même nous, Voilà. ça devient compliqué pour nous aussi. Hein. Voilà, Ok. en gros, il faudrait que les gens. En gros, il faudrait que le streamer soit le serveur même, en gros, du truc, quoi. Ce qui est un peu trop complexe à l'heure actuelle. Ouais, je suis Voilà. d'accord avec vous. Ce qu'utilisent les grosses chaînes de TV en ce moment. Voilà. Bref, Oh. je pense qu'on va terminer Ouais, là-dessus voilà pour parce que Dailymotion Game, ce les serait amis. bien. Voilà pour Dailymotion Game parce qu'il faut que Sandra Okay. fasse sa rubrique. D'ailleurs, on va la laisser J'aimerais, faire. s'il vous plaît. On va te laisser faire, Sandra. Du coup, voilà pour Jingle. Dailymotion Games. À voir un petit peu. Vous pouvez aller voir la news sur le site OGaming si vous avez besoin d'informations complémentaires. Sandra, à toi de jouer, c'est parti! À moi de jouer, alors sachant que je n'ai absolument pas l'image du Twitch, ça va être horrible. En plus, je n'ai plus les commentaires. Voilà, je commence à bugger.
Alors les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Evolve. Alors pourquoi je vais vous parler de Evolve? Vous savez tous que la bêta est arrivée hier sur Xbox One. Jeu très 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 attendu. J'en avais parlé avant-hier en plus il me semble, ou déjà hier dans le Geek Morning. Yeah. Je vous avais un petit peu hier, voilà c'est ça. Je vous avais un petit peu parlé de quoi je vous avais parlé, je me souviens plus. Si non, je vous ai parlé avant-hier des configurations PC. Ouais. Qu'il fallait avoir, c'était avant-hier. Et là aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des précommandes, des versions digitales et des DLC qui seront disponibles pour ce jeu, sachant qu'il sort le 10 février. Donc je vous dis un petit peu le topo, hein. Pour les précommandes et les pré-téléchargements du jeu, vous aurez qui sont pour le moment disponibles que sur Xbox One et PC, vous avez plusieurs éditions qui seront disponibles. Vous avez la première, vous avez le Season Pass de Evolve qui est à 24,99€. Donc c'est l'édition Hunting. Donc dans cette édition, c'est pas le jeu, hein, c'est juste un DLC en plus, c'est un Season Pass. Vous avez trois skins des monstres qui sont le Kraken, Goliath et le Spectre. Donc c'est assez sympa. Vous avez en plus quatre chasseurs supplémentaires qui seront disponibles au printemps. Donc pour 24,99€, moi je trouve que c'est très très bien. Et en plus de ça, normalement vous aurez le nouveau monstre qui a été annoncé récemment, Behemoth. Donc le Goliath de pierre, hein, on va dire ça comme Behemoth. Ça. Behemoth. D'ailleurs, normalement, il y a une vidéo qu'on vous montrera juste après, hein, pour vous présenter un petit peu qui sera Behemoth. Alors ensuite, on a la version Deluxe, donc qui est à 89,99€. Donc dans cette version, vous avez le jeu complet, bien sûr, et vous avez le Season Pass Hunting que je viens de citer. Donc on va dire que c'est un gros packaging, hein. Je rappelle que le jeu version normale n'est qu'à 69,99€, hein. Donc si vous voulez pas le Season Pass, vous avez quand même le jeu complet, hein. Donc en gros toutes les DLC qui vont sortir cette année et qui, enfin toutes les DLC qui sortiront quoi. Voilà c'est ça. Alors en plus de ça vous avez une nouvelle édition, une troisième édition qui a toute son importance parce qu'elle sera faite que pour ceux qui sont sur PC. Donc elle s'appelle l'Evolve PC Monster Race Edition. Elle sera à 69,99€. Et là vous avez quelque chose de supplémentaire. Vous avez le cinquième monstre qui va arriver directement dessus, qui sera directement dans l'édition, hein. Donc je rappelle que c'est Behemoth. Vous avez le jeu complet, vous avez le Season Pass, vous aurez 4 skins de monstres. Et vous aurez en plus deux chasseurs supplémentaires qui n'ont toujours pas été annoncés et qui arriveront aussi pour le printemps. Ça me paraît cher quand même. 80€, ouais. 80€ pour un truc sur PC, sachant que tu as le jeu, le Season Pass, un cinquième monstre, 4 skins, deux chasseurs supplémentaires. Moi, je trouve ça bien. Le jeu, tu trouves que le jeu de base, ça me paraît cher, moi. À 69,99€ ? Ouais. Alors moi je te dis que c'est les prix de base. Un jeu PC actuellement, un jeu PC c'est 45€. Grand max. Un gros jeu PC c'est 49€ quoi. Ouais. Juste une petite seconde, attendez, je vais aller voir sur Steam en fait à combien il est en préco. Je me rappelle normalement, plus. Normalement il est à 69,99€, hein. Normalement c'est bien. Non, et voilà. Ah, là sur Steam, en version classique sur Steam, il est à 50€. Voilà, et ben voilà. Ça dépend. Voilà. Il faut savoir que sur Xbox One et PS4, les prix seront aussi différents. Moi, pour mes actualités, j'ai été chercher, j'ai 69,99€. Hein. Après, chaque site. 69,99€ sur les consoles, parce que justement, les consoles prennent une commission, donc c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est 70€ un jeu maintenant en console. Oui, c'est ça. Voilà. Je vous annonce quand même, pour toujours rester dans les versions digitales et DLC, hein, j'annonce que pour tout achat précommande de l'édition Deluxe. L'édition Deluxe, hein, qui est à 89,99€, vous avez accès à un pack de monstres. Donc vous avez les trois premiers monstres de base plus Behemoth. En fait on vous les offre comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir autre chose, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir le Season Pass. Et vous avez des skins en plus du Goliath. Donc c'est assez sympa. Moi je dis pour une petite précommande, on vous fait des petits cadeaux. Sandra, c'est assez sympa. Il y aura une boutique en fait. En fait, ça va être un peu. Je sais pas s'il va y avoir une boutique, mais moi j'ai juste une question par rapport aux skins. Sur la PC Master Monster Race Edition, tu sais, t'as 4 skins pour les monstres exclusifs pendant 30 jours. Alors oui, alors moi ils sont sur une de mes petites fiches. Oui, c'est ça. En fait, ils sont exclusifs. Et du coup, tu ne les auras que 30 jours. À partir du moment où tu achètes l'édition, hein, c'est pas 30 jours à partir du moment où elle sort. Hein. T'es sûr que c'est ça? Je sais que quand il marque exclusif, en général, l'éditeur, c'est que ça veut dire en gros pendant 30 jours, ces skins-là ne sont disponibles que sur cette plateforme-là. Et à part, c'est un peu le système des Tomb Raider, exclusivité pendant 6 mois et après il sort sur PlayStation 4, quoi. Je pense, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être pendant 30 jours, vous ne les aurez que sur PC.
Et après, passé 30 jours, ils seront disponibles sur Xbox, PS4. Je mets la vidéo en même temps pour voir le monstre. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc là, on va vous présenter Behemoth. C'est un golem de pierre, on peut dire ça comme ça, qui roule en fait sur tout le long de la map pour un petit peu aller plus vite. Juste, on a une petite question qui est assez intéressante de Nitnerok qui me dit qui piche pas, si tu achètes pas les monstres, tu peux pas les avoir du tout. C'est pas ça. Le jeu de base, tu as, moi je vais en reparler tout de suite après, le jeu de base, tu as 12 chasseurs, 3 monstres, 12 maps. Donc tu les as directement. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on te donne on te propose des DLC, on te propose des éditions où tu auras soit un pack de monstres supplémentaires, etc. Et en plus, tu auras le Behemoth, tout simplement. Ouais, mais encore, enfin moi j'ai un peu encore l'impression qu'on nous vend un jeu à moitié fait quoi. Alors enfin, je vais en parler juste après. Alors Alex, je vais en parler juste après à la vidéo parce que j'ai encore une autre info sur Evolve et tu comprendras pourquoi tout ça se fait. Il a de la classe hein. Oh là là, il est badass. Bon. Par contre, j'ai une petite question Sandra. Est-ce qu'il y a un mode solo? Alors oui, il y a un mode solo normalement. Oui, j'en ai parlé l'autre coup, tu as un mode solo et tu as le jeu en ligne. Non, tu as bien un mode solo hein. Justement, on va en parler Sandra de ta prochaine news. Justement, il s'explique sur la politique DLC, donc on va voir un petit peu comment il se justifie. Ah, bah, parfait. Alors voilà, c'est pour ça que Alex, tu disais, je t'ai coupé hein, directement. Alors, les gens, suite à l'annonce du Behemoth, hein, parce que c'est à partir de l'annonce du Behemoth, on nous a dit voilà, Behemoth, vous l'aurez en DLC, vous l'aurez si vous achetez l'édition de luxe, etc. C'est un DLC. Alors tout de suite les gens ils ont commencé à s'exciter. Ils se sont dit ouais, c'est encore un jeu qui est pas fini, ça va nous la faire à l'Assassin's Creed, comment ça va se passer, on nous voit un jeu qui est pas terminé, on doit encore raquer pour avoir quelque chose de bien. Pas du tout. On a du coup Turtle Rock qui a annoncé voilà, nous on n'a pas terminé certains monstres, on n'a pas terminé certains chasseurs, parce que c'est une grosse partie du travail qui nous prend beaucoup de temps. Donc, ils ont mis dans le jeu tout simplement les chasseurs principaux et les trois monstres, hein, qui sont Kraken, Spectre et je sais plus lequel. Ils ont mis ces principaux-là. Ils ont dit si vous voulez des choses encore plus complètes, nous on est en train de les terminer. On vous les fera plus tard. On vous les vendra plus tard. Et si vous voulez pas les acheter, c'est pas grave. Parce qu'on a Phil Robbs qui explique tout simplement aux joueurs ceux qui veulent pas acheter les DLC. C'est pas grave, vous pourrez quand même jouer avec ceux qui ont acheté les DLC. Donc vous avez pas de mecs qui sont plus haut niveau qualitatif que eux, qui vont péter plus haut que leur cul en disant moi j'ai le DLC, moi j'ai le Behemoth, moi j'ai un chasseur supplémentaire, toi t'es rien à côté de moi. Pas du tout. Mais c'est un peu comme ils veulent pas faire comme Call of, où en gros si t'as pas acheté le dernier DLC, tu peux pas jouer avec tes potes parce que t'as pas accès à la map quoi. C'est un monde totalement ouvert, tu peux jouer avec tes potes qui eux ont le DLC et si toi t'as pas envie d'acheter, c'est pas grave. Après, ce que Turtle Rock dit, c'est que si vous voulez un jeu qui soit fait à votre goût, qui soit complet, parce que c'est pas qu'il n'est pas fini hein, loin de là, il n'est pas complet. Voilà, qu'on prenne les choses correctement, est complet le jeu, parce que t'as 12 maps, 3 chasseurs, t'as 12 chasseurs, 3 monstres et 12 maps, ce qui est déjà très très bien je trouve. C'est vraiment, si t'as envie d'avoir des choses supplémentaires, avoir un jeu encore plus complet qu'il ne l'est déjà, tu achètes les DLC. On te force pas à les acheter. Pour moi ça revient au même de dire que les mecs, on n'a pas eu le temps de finir le jeu, on vous sort le jeu et en fait si vous voulez le reste des personnages parce qu'on n'a pas eu le temps de les finir, on pourra les payer. Donc c'est ce qu'on dit dans le chat. C'est une façon détournée de dire les mecs, on n'a pas fini notre jeu, mais dans ces cas-là si t'as pas fini ton jeu, tu le sors pas quoi. Je suis désolé parce que ça c'est l'excuse. C'est pas la première fois qu'il y a des éditeurs qui nous font le coup. On n'a pas fini le jeu. Dans ces cas-là, ils font un League of Legends, ils font un free to play, les mecs, OK, tu commences avec deux persos. Et si tu veux des persos, toi on te les fait payer, mais la base du jeu est gratuite. Et ils font comme ça. Ça me saoule parce que c'est pas la première fois que j'ai un éditeur qui me sort un truc comme ça. Oui, alors on n'a pas eu le temps de finir, mais vous pouvez quand même jouer. Vous savez, c'est un jeu complet, mais en fait il est pas vraiment complet. Alors non, mais merde, quoi. À un moment, juste arrêtez vos conneries. Si vous avez pas fini votre jeu, vous le sortez pas. Et vous le sortez. Mais ne venez pas sortir l'excuse. On n'a pas eu le temps de finir, parce que c'est encore pire de dire on n'a pas eu le temps de finir. C'est-à-dire en gros, on te sort le jeu, mais on n'a pas eu le temps de le finir. Merde. Non, c'est pas qu'ils ont pas eu le temps de le finir. Je me permets d'intervenir. Je suis d'accord avec plein de monde qui dit c'est du marketing. Je suis d'accord avec toi, Alex, qui dit c'est du marketing. Là, je vais un petit peu pousser ma gueulante. Non, je vais un petit peu pousser ma gueulante parce qu'il y en a un petit peu ras-le-bol que les gens ils disent ouais, on a tout le temps des jeux qui sont pas finis. Turtle Rock, vous allez sur le site d'Evolve, vous allez lire ce que j'ai lu. Le mec il dit nous, on n'a pas terminé certains chasseurs, certains monstres qui sont attendus. On les a pas terminés. On n'a pas envie de vous reporter un jeu qui a déjà été reporté parce que ce jeu-là devait sortir en octobre déjà 2014. Mais ils le font en DLC. Alors d'accord, mais alors ils le font en DLC.
Non, bah, dans... bah non. Comme, pourquoi est-ce que tu veux qu'ils sortent un DLC gratuit alors qu'ils peuvent se faire du bif? Alors certes, ils bah voilà, se faire bah du voilà. Bif. Bah ouais, oui, c'est parce qu'ils veulent se faire du bif. Donc c'est du marketing. Je suis d'accord. Oui, ils veulent. Non mais Vince, je viens de dire que j'étais d'accord avec les gens qui faisaient du marketing. Juste, moi ce que je dis c'est que les gens arrêtent pas de critiquer en disant ouais on a encore un jeu en kit, on a encore un jeu en kit. Pas du tout. Les mecs vous disent nous on vous vend le jeu, vous êtes pas obligé de l'acheter maintenant, vous pouvez l'acheter plus tard. De toute façon ça changera rien, vous aurez quand même les DLC. Ils vous vendent quand même un jeu qui pour moi est quand même assez complet. Vous avez 12 chasseurs, vous avez 3 monstres, vous avez 12 maps, vous avez un jeu qui a. Moi j'ai vu la bêta hier, j'ai eu l'occasion de voir sur un stream, il est magnifique visuellement, il n'y a pas de bug. Alors pourquoi vous vous plaignez? De toute façon, c'est pas nouveau que les mecs nous vendent du DLC. Là, c'est juste que le mec fait une annonce générale et tout de suite ça fait non, jaser. Le mec, il aurait rien dit, ça aurait été encore pire. Le problème, c'est pas qu'il le fasse, le problème, c'est le modèle économique du DLC qui insupporte tout le monde. Ah bah oui, mais en même temps, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, justement. C'est justement parce qu'on achète les jeux, c'est parce que justement on achète les jeux et qu'on est tous des plus ou moins pigeons, parce qu'on se laisse faire par les mecs qui veulent. Imposer leur système économique de DLC en te disant oui, on finit notre jeu, mais monsieur, si tu veux un peu plus, eh ben tu rack. Eh ben, après, je suis pas d'accord. Après, ils ont dit si vous voulez pas les DLC, vous avez pas les acheter. Hein. Ouais, c'est déjà ça. Ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Parce que vous ne serez pas pénalisé. Vous ne serez pas pénalisé. Hein. Alors, pas pénalisé, peut-être pas. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais est-ce que, au niveau des caractéristiques même des personnages qui seront en DLC. Ok, je parle au niveau caractéristique. Est-ce que ces personnages-là ne seront pas OP? Est-ce qu'ils ne seront pas plus forts que d'autres? Donc, c'est qu'en gros, non. Si tu tombes contre un behemoth en face de toi, tu vas te faire déglinguer parce que le mec il va se mettre en boule et il va te rouler dessus. Non, parce que il faut savoir que le principe des monstres, je reste sur le principe des monstres. Le monstre évolue au fur et à mesure du jeu parce qu'il doit tuer des petites bestioles et les chasseurs pour évoluer. T'auras pas un monstre qui sera plus cheaté que l'autre. T'auras pas un chasseur qui sera plus cheaté que l'autre. Et t'auras pas une map qui sera cheatée aussi. Loin de là. C'est juste que de toute façon, je savais de toute façon que cette actuelle allait faire jaser tout le monde. C'est juste là, Bloody Spirit, il le dit très très bien. C'est en un mot. Point final, c'est tu veux le DLC, tu l'achètes, tu le veux pas, tu l'achètes pas, ça n'empêche que tu pourras jouer. Oui, mais en gros, il te laisse pas le choix. Ouais, enfin, l'impression. En gros, il te laisse pas le choix. En gros, il te laisse pas moi, le choix. Je suis désolé, mais il fait du politiquement correct, c'est tout. Moi, je suis désolé, mais excusez-moi, messieurs, côté Evolve, je pense que là, il faut qu'on avance parce qu'il nous reste encore, il nous reste encore 4 news et il est déjà à 37. Donc, je pense qu'on va clore là-dessus le sujet parce que c'est un peu chaud là quand même. On peut dire, voilà, Evolve, si vous voulez acheter le DLC, vous l'achetez, vous l'achetez pas. Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de map dans les DLC, donc au moins tu peux jouer avec tes potes sur toutes les maps. Ouais, et puis juste petite dernière info en vitesse pour Evolve. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un stream hier sur la bêta, j'ai adoré. J'avais eu en plus l'occasion de tester l'alpha, donc j'ai adoré, j'ai hâte d'y jouer. C'était sur Xbox One, hein, donc elles sont disponibles sur Xbox One et PC pour le moment. Sur PS4, elle arrive normalement demain. Je vais essayer de la voir et je vais essayer de vous en parler et de vous en parler un petit peu plus tard ou de vous en parler sur ma chaîne personnelle Twitch et puis on essaiera de voir, mais moi j'attends vraiment le jeu. D'accord. Malgré le fait que c'est tout ça, j'attends le jeu. Ok, ça marche, pas de problème. Bah, on va passer tout de suite. Non, mais moi je dis pas que le jeu est Kirby. Pas mauvais. Alex, je dis pas que le jeu est mauvais, hein. Mais personne ne dit que le jeu est mauvais. Le jeu, non, moi j'ai testé, il est bon, c'est juste le système économique, voilà, accepté ou pas. Voilà. On va passer à Kirby et on va aller voir un petit peu. Du coup, il y a cette petite vidéo. Donc, Kirby, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être le nouveau jeu Nintendo. Oui, alors Kirby, le jeu très 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 attendu. Donc, c'est Kirby and the Rainbow Curse. Alors, moi j'ai eu des soucis quand j'ai cherché les annonces parce qu'il y a eu plein de noms différents, des dates différentes, etc. Enfin, bref, c'est le jeu, le nouveau jeu de la Wii U qui n'a pas été montré pendant le Nintendo Direct parce qu'ils ont eu peur qu'il se fasse écraser. En fait, tout simplement, c'est pour ça qu'ils l'ont pas montré. Sortie du jeu donc février 2015 à 69,90€ sur Wii U, ça fait un petit peu cher. 80 balles pour Kirby. Voilà, 70 balles. Combien 70 hein balles. Moi j'ai vu 70 balles. Ah, 70 balles, ça va alors. Bah, voilà, va. Alors non, donc en fait, c'est le jeu en fait de Kirby où tout est fait en pâte à modeler et un petit peu repris du jeu qui était sorti sur DS avec le nom The Rainbow Power Pen Brush. Donc en fait où tu pouvais interagir sur l'écran tactile et du coup faire passer ton petit Kirby, ton petit personnage. Là c'est sur Wii U et du coup vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités du gamepad. Moi je trouve ça très très bien, la vidéo elle est juste géniale. Tu veux la regarder, je l'ai mis là. Voilà, ouais, mais là elle est juste géniale. Mais il l'avait pas annoncé à l'E3? Ah si, il l'avait annoncé à l'E3 dernier. Il l'avait annoncé à l'E3 celui-là. Bien sûr, il l'avait annoncé à l'E3 dernier. Alors on nous dit qu'il sera 45€ sur Amazon. Moi j'ai d'autres sites, hein, les gens, on n'a pas tous les mêmes sites. Oui, hein. Oui. Attention, moins hein, cher sur Amazon. Oh, il a l'air trop cool avec le gamepad.
Exactement. Alors c'est vraiment, elle a été réinspirée du jeu DS. Petit synopsis, on va dire, les couleurs du pays des rêves ont été volées et Kirby va les récupérer. Donc Kirby vraiment est mise en avant. C'est un petit peu comme Captain Toad. Les personnages de Nintendo sont vraiment de plus en plus mis en avant. Et moi j'aime bien, j'aime bien. Ça me fait penser à un petit Rayman Legend des fois pour les interactions. Exactement, exactement, Rayman Legend qui a été le précurseur, on va dire, un petit peu de ce genre de... moi j'aime bien, j'aime bien. On a un petit peu aussi de l'autre côté Yoshi Woodley World, normalement, qui va arriver aussi fin d'année et qui est un petit peu dans le même style, sauf que là, le monde est vraiment fait tout en pâte à modeler bizarre. Là, c'est en pâte à modeler et sur Yoshi, c'est un petit peu en effet tricoté. Ouais. Voilà. Et moi, je trouve ça très très sympa de pouvoir enfin utiliser les fonctionnalités du gamepad. Ce jeu est vraiment très 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 attendu. Et moi, je pense que je vais bien aimer. Et apparemment, le jeu, tout le monde, Zabuti nous dit que le jeu va être très très bon. La musique de Kirby, tant de souvenirs. Moi, j'ai hâte. Et en plus, bien sûr, je l'ai pas dit, excusez-moi, autant merci Zabuti de le rappeler. Je l'ai pas dit. Vous allez pouvoir utiliser l'amiibo de Kirby pour faire évoluer votre personnage et le rendre encore plus fort. Et les autres personnages aussi du jeu qui auront leur propre amiibo aussi. Hein. Ok, ça marche. Mais par contre, les amiibo Mario et tout ça, ça marchera pas. Hein. Non, parce qu'ils ne sont, ils font pas partie du jeu en fait. Il faudra. Du moins pour l'instant, c'est pas annoncé. Il y a pas de fonctionnalité spéciale. Voilà. C'est pas genre un chapeau Mario. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est le fonctionnel sur Mario Kart. Ce sera vraiment. Oui, non, c'est pour ça, je pense à ça. Ce sera vraiment des amiibo pour pas pour custom ton perso, hein. Loin de là. Ce sera vraiment des amiibo pour faire évoluer le personnage dans l'aventure. Ok, ça marche. Moi, j'aime bien Kirby. Hein. C'est pas une grosse. Kirby, c'est cool. C'est pas une licence qui c'est une licence, ils ont du mal à mettre en avant, je trouve. Mais moi j'aime bien, c'est une licence que je connais depuis très longtemps sur la première Game Boy. Et le dernier Kirby que je me suis fait, c'est le Kirby qui était en laine. Oui. Et il était vachement, alors il était dur, il est pas facile. Hein. Franchement, le jeu n'était pas super facile comparément à l'autre Kirby qui était en version normale sur Wii. Mais moi j'ai bien kiffé. Et franchement, c'est Kirby pour moi, c'est toujours des bons jeux. Et j'adore le système d'avaler les personnages, enfin les ennemis, pour pouvoir récupérer d'autres pouvoirs. Et je trouve que c'est vraiment la particularité même de Kirby, même sur Super Smash Bros. De toute façon, je joue Kirby, je suis un fan de Kirby. Mais c'est bien parce que ils sont vraiment en train de remettre en avant les personnages de la Wii U. On l'a vu avec Captain Toad, on l'a vu avec Kirby, on le voit avec Yoshi. Et moi, j'aime bien. Donkey Kong aussi, Donkey Kong. Ils sont obligés de le faire, ils ont déjà sorti leur Mario, donc ils sont obligés de sortir les licences, ils n'ont pas le choix. Exactement. Ils ont voilà. Ok, les amis, on va passer Kirby tout de suite à Mortal Kombat. Mortal Kombat, qu'est-ce qui se passe ? Mortal Kombat 10, Mortal Kombat X. Alors, jeu très 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 attendu qui va sortir le 14 avril 2015 sur PC, PS3, PS4, Xbox One et Xbox 360. Jeu très très attendu, on a tous grandi, toutes les plateformes. On a tous grandi avec Mortal Kombat. Moi j'ai adoré. Juste Sandra, parce qu'il y aura la vidéo, c'est Peggy 18, c'est ultra hard, c'est ultra hardcore. Donc voilà, si vous êtes jeune, reste. Non. Oui. Mais on est obligé de le dire. Si vous êtes jeune, cachez-vous les yeux. Voilà, il faut pas. Vous connaissez la licence. Vous le dire. On sait très bien que vous allez les regarder, mais voilà, attention, c'est vraiment hardcore. Sur c'est vrai qu'on passe du mini Kirby Kawaii à Mortal Kombat où ça va faire des finishing décapitations. Bon, je vais mettre la vidéo en 60 fps. J'ai vu la vidéo, c'est moi qui t'ai dit de regarder et franchement, c'est... Oui, exactement, c'est toi qui... Alors, j'avais vu passer l'info, j'ai voulu en parler, puis je me suis dit, oh, je veux pas en parler maintenant, et en fait, t'as bien fait de me le donner. Est-ce que c'est limité pour Mortal Kombat ou pas ? Non, pas du tout, il est sur toutes les plateformes. Ouais. Toutes les plateformes. Même sur Steam. Nice. Il avait été annoncé. Il est sur Steam. Nice. Donc, petit topo, je vous fais un petit topo en speed. Là, on nous montre le gameplay de Kitana et j'arrive jamais à le dire. Kung Lao. Kung Lao. Jeu très 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 attendu. La question, du sang et tout. Hein. Ah bah, mais attends, c'est Mortal Kombat. Très beau. Il est beau. Moi j'ai hâte. Ouais, on a tous grandi avec Mortal Kombat. Vous avez une super série sur YouTube. Exact. Mortal Kombat. Avec des super acteurs super connus. Hein. Et vraiment, je vous invite à regarder. Ah, dans la tête quoi. Bam. Ah, carrément quoi. Il lui a carrément défoncé la tête. Mortal Kombat est vraiment le jeu Peggy 18, hein, vraiment très 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 bon jeu. Moi j'ai hâte, je le répète, j'ai grandi avec du Mortal Kombat, j'ai grandi avec du Tekken, j'ai grandi avec du Street Fighter, c'est etc. C'est pour ça que t'es vénère. Ouais, c'est ça. Moi je suis content, c'est qu'ils sont revenus un peu dans le côté bourrin, ils avaient un peu limité la casse. Ouais, c'est un peu limité la casse à un moment.
Ouais, c'est Ouais. un plus grand public parce que c'est mais la marque de fabrique de Mortal Kombat, ça a toujours été le côté alors vachement gore, même sur Super Nintendo, c'était vraiment le côté gore, tétripé, etc. Et il avait un peu enlevé ce côté-là, je pense, peut-être pour faire plus grand public. Et là, je suis content. Et là, je pense qu'ils sont même partis encore plus loin que ce qu'ils font d'habitude. Ils sont vraiment, ils ont dit, Et allez, on s'en fout, on fait un jeu gore et on y va jusqu'à fond, quoi. il est super beau, il est super beau. Moi, j'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir en plus si on va pouvoir avoir du comment du des jeux, enfin du l'e-sport là-dessus, parce que ça pourrait être pas mal, sachant qu'on a de l'e-sport sur Tekken et Street Fighter, pourquoi pas. Moi, juste un petit topo en vitesse là-dessus. On nous montre deux des personnages principaux, pardon, du jeu qu'on connaît tous. On a toujours Scorpion, Scorpion, Scorpion. Banaka, Jax, etc. On en a plein qui vont revenir. Juste petit topo, les personnages du DC Comics, style Batman, Superman, Green Lantern, etc., vous ne les verrez pas du tout, hein, parce Bah qu'il ouais. y en a certains qui ont posé la question sur les forums en disant, est-ce qu'on va avoir des personnages du DC, Ouais, mais c'est normal. etc., et pas C'est du parce qu'il y tout. avait eu le crossover. Il y avait eu un crossover avec Mortal Kombat, Voilà. bah Ah, X ok. DC d'ailleurs. Voilà, et à Ouais. savoir qu'en plus, sur Injustice, donc jeu de combat simplement DC Comics, tu as en plus des personnages de Mortal Kombat, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont fait un petit peu Alors, ça. pareil, il y aura sûrement des DLC, parce que j'ai vu à la fin, si vous précommandez le jeu, vous aurez Goro, qui est le Exactement. bonhomme à quatre bras, là. Bon, alors ouais, j'ai encore un truc, je suis pas d'accord, des DLC, mais Ouais, on l'a déjà dit ça voilà. malheureusement, c'est le modèle économique aujourd'hui, hein. Si on faisait une révolte et Mais là, c'est pas vraiment une qu'on DLC, c'est révolte, en faut gros, user. c'est pas vraiment une DLC, donc Bref. bon, à la limite, ça passe. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, du coup, Moi, si j'ai vous êtes hâte. intéressé par la news sur Mortal Kombat et que vous attendez ce jeu, n'hésitez pas à avoir plus d'informations sur le net. En tout cas, ça a l'air d'envoyer du pâté et on va passer tout de suite à Il Call sort of quand? Duty. Il sort le 14, le Il sort le 14 14 avril, hein. avril. 14 avril. Putain, Moi, si je on vais pouvoir peut, me. on essaiera de se faire un stream dessus. Yeah. Ça Moi, je serait vais pouvoir me stylé. défouler. Je vais pouvoir me défouler. Moi, On je veux va passer bien. à Code. On va passer à Ouais, un Code petit peu de maintenant. code. Allez, pourquoi pas. Alors hier, on a eu Hommage à Kitty Kitty. 6. Voilà, on a eu Kitty Voilà. hier. Je ne lui passe pas de la pommade sur le dos en faisant cette annonce, hein, loin de là. J'ai vu l'annonce et je me suis dit pourquoi ne pas en parler, sachant que Kitty s'est venue hier. Donc là, en fait, on nous annonce que Activision dévoile enfin les détails de la prochaine Championships de Code 2015. On verra peut-être qu'ils disent du coup. On verra peut-être Kitty du coup là-dedans, enfin pas dans la vidéo, mais est-ce qu'on verra peut-être Kitty participer à cela. Donc tu vas mettre la vidéo et Ça puis y est, je vais je. parler Je pense un pas. petit peu en. Tu peux là, la vidéo tourne déjà. Je Ouais, pense pas que donc. vous verrez Kitty, hein, mais Ah, parce dommage. qu'elle a pas forcément le temps. Ouais. Puis voilà, maintenant t'as des équipes comme Vitalik, etc., qui ont un niveau Oui, qui en explose un peu tout le plus. monde. Donc, petit topo pour cette nouvelle édition du Championship, ce qui se déroulera à Los Angeles du 27 au 29 mars 2015. Pour participer à ça, il va y avoir des présélections. Donc, on a seulement 32 équipes, les 32 meilleures équipes mondiales qui pourront participer et qui s'affronteront sur le dernier jeu Code Advanced Warfare. Donc, ce ne sera pas sur un Black Ops, ce ne sera pas sur un MW3, ce sera sur le dernier petit bébé de Code d'Activision. Modern Advanced Mais Warfare. y a pas déjà eu les pré-selects parce que alors hier quand j'ai vu ta news je me suis baladé un peu sur internet, je suis tombé sur la première vidéo, je suis tombé sur la vidéo avec le français qui disait j'ai mon auto-visée qui était pas activée et ça m'a bien fait Oui, rire alors. et justement donc c'était pas ça les pré-sélections, c'était pas Alors, en fait, les ESWC. les présélections. Ah non, les SWC, non, il me semble pas que c'était avec le SWC. Si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me le dire dans le chat, hein. J'ai pas forcément toutes les infos. Je suis pas sûre. Alors, il faut savoir que les qualifications pour la France se feront le 31 janvier. Donc, je pense pas que ce Donc soit la c'était pas même ça. chose. Non, Non. non, c'était pas ça alors. Mais alors, après, à Non, c'est savoir pas qu'il ça. y a 32 équipes dans le monde qui vont y participer, hein, vraiment 32 équipes dans le monde. Pour vous informer, pour vous participer, vous pouvez aller sur la page officielle du tournoi de la MLG. Donc, c'est là-dessus que vous trouverez toutes les informations et en plus de ça, les inscriptions. Concernant le cash prize total, il est de 1 million de dollars, donc C'est environ pas mal, c'est un truc de fou. moins de C'est pas 900 000 mal. euros. Pas mal, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, j'ai envie de le C'est dire. pas Fou. Bah énorme si. comparément au cash prize de League of Legends ou Oui. Empire Dota avec son Ouais, invitational mais. avec 12 millions. Ouais, mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Et voilà, moi je pense que c'est très très bien. Alors en plus de ça, vous aurez la compétition qui sera retransmise sur le Xbox Live, puisque la version qui sera utilisée pour Code, eh ben, c'est Xbox, hein, comme d'habitude, puisque Bien sûr. c'est ceux qui utilisent le plus. On utilise toujours la Xbox pour les compétitions. Donc la compétition sera retransmise en direct sur le Xbox Live, donc je rappelle du 27 au 29 mars 2015, et elle sera aussi retransmise sur le site MLG.
le site. Et la compétition se passe à Los Angeles, donc ça va être exactement. Un peu bling bling stylé. Donc voilà, si vous êtes féru de Call of Duty, hein, je sais pas s'il y en a beaucoup sur le chat, moi au moins pas Zaboutine, au moins pas Zaboutine. Si, si. Ah si, sur le chat, non, sur le chat, il y a plein de gens qui sont. Qui t'y s'oblige, il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils sont assez fans de Coda. Tant mieux. Moi j'ai hâte de la voir, je vais essayer de capter un petit peu la compétition et je vous en reparlerai. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir si les Français. Déjà, j'ai hâte de voir les qualifications françaises, qui est-ce qui va être qualifié. Et j'ai hâte de voir où vont arriver les Français, parce que les Français sont pas trop mal hein, quand même à code, c'est pas les meilleurs non plus. Mais De toute façon, faut savoir que même. Alors, je sais pas comment ça marche, si c'est la structure la nationalité de la structure qui compte, ou si c'est la nationalité des joueurs, mais t'as pas mal de joueurs français qui jouent sur des structures américaines même. Oui, et notamment, t'as Vitalik, je dis pas de conneries, Vitalik, c'est pas une structure française, c'est une structure américaine. Et alors, je suis pas un gros fan de eSport Call of Duty, mais c'est comme la FaZe aussi. Hein. Non, FaZe c'est français. FaZe c'est français. Pas au départ. FaZe c'est français, c'est Wartek qui l'a créé avec. Donc c'est français, je pense. Oui. Après, ils ont peut-être été rachetés par un groupe anglais, etc. Mais, je suis pas un gros fan de Call of Duty, moi, niveau eSport. Mais bon, un peu obligé de s'y intéresser, vu que bon, il y en a de plus en plus. Même dans les LAN, hein, vous avez la GA, les trucs comme ça, il y en a. Et c'est des bonnes compètes. Hein. Moi, je suis pas fan et j'avais vu la GA, j'ai regardé la finale, c'était sympa. Ouais, c'est toujours sympa les compètes. Ouais, toujours l'eSport. Bah, nous, on aime bien l'eSport, on est sportif à la base. Mais c'est sympa. Mais après, 1 million de cash prize, c'est pas énorme. C'est pas mal, je rappelle. C'est pas énorme parce que quand on voit aujourd'hui League of Legends, c'est 6 millions cette année, je sais plus, 4, 5, 6 millions. Rien League que of Smite, Legends non, ouais. C'était 3 millions League of Legends. Ou 2 millions, je sais plus. Il y a eu Smite là, il y a. La semaine dernière, Smite. Et le cash prize de Smite, c'était 1 800 000. Pour un jeu qui est pas dit super. Que la phase n'est pas du tout FR, Rotec a rejoint le truc en route, moi, il n'a rien que créé. FR, hein. Voilà, ouais, ok, d'accord. FR, hein. Mais moi j'ai envie de juste vous dire pour cette petite actualité, affaire à suivre. Moi je vais vraiment suivre ça de très près parce que niveau e-sport, je suis pas trop calé niveau e-sport, mais par contre pour code j'ai envie de m'y intéresser parce que c'est assez sympa. D'accord. Et sachant que là l'année 2015 va être l'année de l'e-sport parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Donc voilà. Ok pour code, voilà. Donc si vous êtes spécialiste code, exactement. Si vous vous êtes intéressé sur code, n'hésitez pas à aller regarder la compétition sur Xbox Live, comme on l'a dit tout à l'heure, les qualifs et tout ça, et vous renseigner pour cette compétition, les amis. Je vais même pas avoir le temps de faire la petite news sur HAZN1, mais ce qu'on fera, c'est si je la fais pas maintenant, du coup, je prépare même une petite vidéo enregistrée pour demain, tu vois, enfin pour lundi. Et là, ce sera encore plus la sauce. Ah ok. Ah bah ouais. Parce qu'en fait, je viens de réfléchir. Je pense que je vais faire une vidéo, tu sais, genre où je me balade et je vais présenter un petit peu le jeu. Comme ça, je la passerai en live directement pour vous présenter le jeu. Ça va être un carton à HAZN1. Enfin, ça va être un carton. C'était le truc attendu là pour hier. Donc, on va voir un petit peu. Moi, je vais passer l'après-midi dessus là pour voir un petit peu où ça en est. Donc, HAZN1, c'est le free-to-play qui est payant, c'est ça hein. HAZN1, c'est donc le futur MMO FPS à la DayZ-like, donc de la part de Sony Online, et qui donc est très 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 attendu parce que plus personne n'a envie de jouer à DayZ. Donc voilà. On va voir un petit peu comment ça se passe et puis je vous tiens au courant pour la suite. Voilà les amis, et eh bien écoutez, il est quelle heure? Il est 53, je pense qu'on a fait le tour. On a réussi le tour, à là. Tenir, exactement. C'était chaud, on a speedé, hein. Je suis vraiment désolé d'avoir speedé un peu. Juste pour info, je fais un petit rappel parce qu'on l'a fait en tout début d'émission. Alors pour ceux qui arrivent, à partir de lundi, on passe sur 10h, 13h. Ouais, donc il y aura plus trop de problèmes de chronique, logiquement, parce qu'on a fait ça frais pour ça, parce qu'on avait un peu de mal à gérer. Puis en plus, il y a d'autres choses qui vont être ajoutées dans l'émission. Donc 10h, 13h à partir de lundi. En plus, comme ça, vous pourrez manger avec nous en même temps. La sauce. Ça sera le Geek Morning Apéro. Exactement. Je sais plus qui m'a sorti ça. Je crois que c'est Sandra qui m'a sorti ça. Geek Morning Apéro. Et des nouveaux chroniqueurs aussi à partir de la semaine prochaine. Plein de nouvelles choses qui vont arriver avec le Geek Morning qui va évoluer au fur et à mesure. Merci à O-Gaming de donner notre chance de pouvoir faire un stream sur leur plateforme. Merci à Alex et Stresia Productions qui nous a permis de nous retrouver et du coup de faire une petite émission matinale. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi tout au long de la semaine. Vous êtes encore plus de 200 aujourd'hui, c'est génial. Alors, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup en tout cas. Les amis. C'est la première semaine. Ouais, c'est la première. C'est vrai que c'est notre première semaine, donc on l'a terminé. Bravo à nous. Je nous félicite. Je nous applaudis. Bravo les amis. Et avec moi, en tout cas, je vous félicite parce que on a
commencé, on a bien commencé lundi, on va pas se mentir. Lundi, pour la première, on a tourné à peu près à 100-140 viewers. Et ça a été progressif tout le long de la semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vraiment, donc c'est cool, c'est que l'émission vous plaît. Je fais un coucou à Sandra, à Chloé, parce que je viens de voir sur Twitter qui vient de s'arrêter. Oui, non, mais l'autre, c'est vraiment une glandue, quoi. Mais alors, elle est passée dans le chat. Elle est passée dans le chat. Hein. J'ai pas vu couper la parole quand quelqu'un parlait. Mais elle est passée dans le chat et elle a dit coucou, je vous fais un petit coucou, machin. Des bisous. Et elle nous dit à lundi. D'accord, voilà. Bah, elle sera là. Vous retrouverez le lundi et mercredi sur le Geek Morning pour la rubrique ciné-série. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, hein, Geek Morning, donc c'est geek_morning, vous le voyez. Sur Twitter, il y aura des trucs à gratter, je pense qu'on lâchera des, et le Facebook, on lâchera des trucs. Il y a le Facebook aussi. Facebook aussi. Il y a les Twitter de mes copains, VinsTechHD et Charlize pour Sandra. Il y a Alex Fastlol aussi, hein, parce qu'on ne le voit pas, mais il est là avec nous. Il y a le mien aussi, DAFTZ, si vous voulez nous suivre. Merci à tous, en tout cas, c'était une très bonne émission. Un petit peu dans le rush, parce qu'on a pas mal tardé sur la rubrique high-tech qui a duré au moins une heure. Et un petit peu violente parce que j'étais énervé aujourd'hui. Non mais on s'est dit qu'on avait le temps et au final on n'avait pas trop de temps. Toujours, quand on dit qu'on a le temps, après c'est la merde. Et puis en plus à Alex, donc Alex il nous fait j'ai tendance à beaucoup débattre, un peu dérivé, mais je ne suis pas là tout le temps. Et là voilà, j'étais là, je suis venu ce matin, je sais même plus pourquoi je suis venu. C'est vous qui m'avez dit en plus de venir ce matin, donc non, c'est toi qui t'es proposé, hein. Non, voilà, là-bas j'ai dit, t'es venu pour Dailymotion. j'ai pas envie, je suis pas motivé, ouais. Alors me fait... Bon, les copains, on va couper là, comme ça on va pouvoir balancer la petite pause qui va bien. Merci à tous, on se retrouve lundi, passez un très bon week-end, jouez bien, gros bisous les copains. À lundi. Allez, à lundi.